Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Vous êtes bien sûr en direct sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. C'est une soirée spéciale que nous vous proposons puisque nous allons repartir au cœur de la mémoire africaine, au cœur de l'Afrique centrale, puisque vous le savez. Nous vous proposons donc une conférence qui va porter sur le tourisme de mémoire. Comment développer le tourisme de mémoire en Afrique centrale? C'est le thème de notre conférence. Et pour en parler mieux que moi, c'est Guillaume Kouka qui va ce soir réunir autour de lui des hommes et une femme pour en parler. Puisque vous le savez, le tourisme de mémoire est aujourd'hui une valeur sûre pour permettre à ce que cette partie du continent puisse retrouver, je dirais, une vigueur non seulement culturelle mais aussi économique, parce qu'on sait aujourd'hui ce que le tourisme peut apporter par rapport à notre dépendance au pétrole. Guillaume Kouka, bonsoir. Bonsoir, Sir Makosso. Alors, Guillaume Kouka, merci de votre invitation et d'avoir accepté de recevoir notre conférence. Bah, merci à vous aussi pour la confiance que vous faites en Ziana TV. Alors, Guillaume Kouka, avec vous, depuis quelques temps, nous parlons du tourisme. On a fait avec vous aussi le tour de ces diasporas disséminées à travers la planète pour aller retrouver ces traces Congo. Aujourd'hui, on va revenir sur le continent et précisément au centre de l'Afrique pour bien comprendre l'intérêt de ce qu'on appelle aujourd'hui le tourisme de mémoire. Avant, bien sûr, qu'on puisse rentrer dans le fond et que vous nous présentiez cette soirée, dites-nous d'abord, le tourisme de mémoire, c'est quoi exactement? Aux côtés d'autres concepts qu'on entend, tourisme de loisirs, tourisme d'affaires, tourisme de mémoire, c'est quoi, Guillaume Kouka? Alors, il y a deux choses qu'il faut fondamentalement comprendre. Lorsqu'on veut faire venir des touristes, il faut se poser une question toute simple. Pourquoi est-ce qu'un touriste français, un touriste anglais, un touriste espagnol va venir au Congo, pas au Gabon, pas en RDC et pas ailleurs? Quelle est la chose qui va faire que le touriste qui part d'un pays choisira de venir au Congo-Brazzaville et pas ailleurs? Donc, il faut se poser la question, si vous voulez faire venir des touristes, quelle est la raison? Qu'est-ce que moi, je propose? Pourquoi est-ce que moi, je peux être intéressant pour un touriste? Sachant que je suis beaucoup plus cher qu'un certain nombre de destinations, pourquoi est-ce que quelqu'un va accepter de payer 1500 euros pour venir à Brazzaville alors qu'il peut aller avec 500 euros à Abidjan? Donc, la première question qu'il faut se poser quand on veut développer une destination, c'est de se poser la question, qu'est-ce que moi je propose? Ça, c'est la deuxième chose, la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas oublier que le tourisme, c'est une prestation de service. C'est-à-dire que il faut que vous soyez capable d'apporter quelque chose qui a un intérêt pour votre client. Il faut apporter un service. D'accord? Donc, une fois qu'on a dit ça, on se pose la question, en Afrique centrale en général et au Congo en particulier, il y a toute la partie biodiversité. Effectivement, les gorilles de l'Est, les gorilles de l'Ouest, etc., etc. Il y a les fleuves Congo, il y a les chutes de la Loufoukari, un certain nombre de choses qui peuvent avoir de l'intérêt pour les touristes internationaux. Mais on a un problème, c'est que ces sites-là ne sont pas aménagés, donc difficiles d'accès, donc pas valorisables. Donc on a du mal à faire venir des touristes grâce à eux. Donc, on se pose la question, est-ce qu'il y a autre chose qui peut faire en sorte que les touristes internationaux viennent chez nous? Et en se posant cette question-là, on essaie d'inverser les choses. Parce que généralement, nous, en tant qu'entrepreneurs, quand on a envie de faire des choses, on pense d'abord à soi. On veut développer des téléphones portables, on veut développer des smartphones africains, c'est très bien. Mais lorsqu'on se pose la question, est-ce que ce smartphone africain qu'on veut développer a sa place dans le marché? Donc, il faut se poser la question d'abord de savoir ce que l'on propose, est-ce que ça peut intéresser les gens? Donc, partir de l'intérêt, d'accord? Et ensuite, élaborer quelque chose. Or, il ne vous aura pas échappé, Sir Makosso, qu'aujourd'hui, il y a une population cible qu'on appelle les afro-descendants, qui sont à la recherche de la mémoire de leurs ancêtres. Donc, le tourisme de mémoire, c'est un touriste qui s'adresse à des gens qui recherchent leur mémoire. Est-ce qu'on est capable de leur apporter des éléments historiques
qui leur permettent à eux de pouvoir se retrouver chez nous, qui vont faire en sorte que la personne va traverser l'Atlantique, il n'ira pas au Sénégal, il n'ira pas au Ghana, il viendra au Congo. Donc, le tourisme de mémoire, c'est un tourisme qui met en avant une histoire, un patrimoine pour attirer les touristes. Pour exemple, hein, aujourd'hui par exemple, quand vous prenez en France des régions comme la Somme, des régions comme la Normandie, qui ont été des théâtres des batailles de la Seconde Guerre mondiale, ils attirent des touristes de mémoire qui viennent sur la trace de leurs ancêtres qui sont morts sur les batailles, sur les champs de la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est ça, votre produit, le service que vous vendez, c'est la mémoire. Donc c'est ça le tourisme de mémoire. Au lieu de mettre en avant la biodiversité, de mettre à l'avant le business avec les congrès, etc., etc., l'élément principal sur lequel on attire des gens, ça devient la mémoire. Cette histoire, ce patrimoine-là, qui peut intéresser les gens ou pas. Je ne sais pas si j'étais un peu clair. C'est bien clair, Guillaume Kouka. Alors, nous avons aujourd'hui une soirée spéciale avec une thématique spéciale. Présentez-nous d'abord l'intérêt d'une telle soirée et les hommes qui vont nous parler de ce tourisme de mémoire. Voilà. Donc, comme je l'ai expliqué dans la présentation du teaser de la conférence, aujourd'hui, c'est incontestable. Il y a un besoin, il y a un marché. Il y a de plus en plus d'afro-descendants, d'afro-américains, d'afro-caribéens, d'afro-antillais qui veulent venir en Afrique sur les traces de leurs ancêtres. D'accord? La question que nous voulons nous poser aujourd'hui, est-ce que l'Afrique centrale a des arguments à faire valoir pour attirer ces 400 millions d'afro-descendants? C'est une question simple. Pourquoi est-ce que un pays comme le Congo-Brazzaville, un pays comme le Gabon, un pays comme l'Angola, un pays comme la RDC ne pourrait pas, sachant le patrimoine qui est le sien, attirer ces touristes afro-descendants de la même manière que le font de pays comme le Sénégal, le font de pays comme le Ghana, et le font de pays comme le Bénin. Donc, est-ce que nous avons quelque chose qui pourrait intéresser ce marché-là? Donc, c'est pour ça que nous organisons cette conférence. Donc, nous, on va essayer de donner la parole à des archéologues, puisqu'on parle de patrimoine, on parle de mémoire, qui vont venir nous présenter un certain nombre de travaux qui existent, qui sont là, mais qui ne sont pas connus et qui ne sont pas valorisés. L'idée, lors de la conférence, c'est d'essayer de montrer qu'il y a des choses qui peuvent intéresser les touristes de mémoire. Et que la seule chose, enfin, les deux choses que nous avons à faire, c'est un, de les valoriser, de les structurer, et la deuxième, d'en faire la promotion. Donc, nous allons recevoir deux archéologues. Nous aurons une archéologue de l'Angola qui s'appelle Madame Sonia Domingos, qui est chercheur et qui a été au centre même du dossier de l'inscription de Mbanza Congo, la capitale de l'ancien royaume Congo, au patrimoine universel de l'UNESCO. Donc, elle viendra nous parler un peu de ce processus-là et elle nous parlera aussi de tous les éléments qu'on peut valoriser pour attirer les afro-descendants. On aura son pendant en RDC, qui est Monsieur Igor Matonda, qui est lui aussi chercheur, qui est enseignant à l'université de Kinshasa, qui lui viendra nous parler des travaux archéologiques qui ont été entrepris en RDC et au Congo-Brazzaville grâce à l'aide d'une université belge. Et on verra aussi que là encore, il y a beaucoup de choses à faire valoir. Et ensuite, après Monsieur Matonda, on donnera la parole à Monsieur Lucemo Mbemba, qui est lui le président de l'Organisation pour la mémoire et le tourisme en Afrique centrale, qui est une organisation justement qui travaille à valoriser le patrimoine autour du tourisme de mémoire et à attirer des afro-descendants, à le faire connaître pour attirer des afro-descendants. Et à la fin, nous aurons M. Impion, qui est lui un journaliste qui habite aux États-Unis, un journaliste qui est de nationalité congolaise, qui habite aux États-Unis, qui lui, sur place, a senti effectivement cette effervescence, cette envie que les afro-descendants ont, et il viendra nous en parler. Donc l'idée, pour faire simple, c'est justement de montrer qu'il y a de la matière. Tout est réuni aujourd'hui pour que on puisse réunir notre patrimoine avec les enfants afro-descendants qui le recherchent.
Voilà, donc la soirée est posée ainsi, William Kuka. Pour ceux qui nous suivent, est-ce qu'il y aura la possibilité de poser des questions? Est-ce que vous allez répondre, je dirais, aux interrogations qu'on pourrait avoir en ligne? Oui, bien sûr. L'idée aussi, c'est effectivement, c'est pour ça qu'on a une conférence en interactive. Bon, le Covid aussi oblige un peu de pouvoir effectivement faire ce type d'initiative. Mais on fait cette conférence aussi pour permettre aux gens de pouvoir, pouvoir participer, pouvoir poser des questions. Donc, les questions, effectivement, sont les bienvenues. Et nous y répondrons dans la mesure du possible. Voilà, en attendant donc de commencer cette conférence, Guillaume Kuka, avant de recevoir notre premier invité, M. Igor Matonda, on va faire juste une petite pause, mesdames, messieurs, et restez avec nous. Fatigué d'aller au marché, pas de souci. Adam Zola Ossefort, 100% alimentation. Vous avez 300 boucheries, des légumes, l'épicerie, des jus bio et un restaurant. Il vous suffit de contacter le 06 804 70 58. Oui, vous êtes livré. Situé à Sirfumo, Arrêt Diallo, à côté de l'église Tabernacle. Avec Madame Zola, Koudia Kilimbote. Alors, bienvenue sur Zena TV, bienvenue à la conférence que nous organisons sur le tourisme de noir en Afrique centrale. Donc, l'objectif, effectivement, comme je disais tout à l'heure en mot d'introduction avec Sir Makosso, était de faire la démonstration qu'on avait aujourd'hui tous les atouts en Afrique centrale pour faire venir les touristes de mémoire. Donc, ces touristes de mémoire, il n'y a pas de secret, c'est principalement aujourd'hui des Noirs américains, c'est des Antillais, des Caraïbéens, qui savent qu'ils ont des origines africaines et qui sont aujourd'hui à la recherche de leurs origines africaines. Donc, ça marche très bien dans des pays comme le Bénin, ça marche très bien dans des pays comme le Sénégal. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas en Afrique centrale. Et donc, la question, c'est de savoir si l'Afrique centrale a réellement des arguments à faire valoir pour justement attirer des touristes afro-américains, antillais ou caribéens. Donc, notre premier invité aujourd'hui, c'est Monsieur Igor Matonda. Bonsoir, Monsieur Matonda. Bonsoir. Bon, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement? C'est vrai que j'ai fait une présentation un peu liminaire de votre parcours, mais est-ce que vous pouvez effectivement pour les téléspectateurs qui nous regardent vous présenter et présenter votre travail, s'il vous plaît. Je me nomme Igor Matonda Sakala. Je suis professeur d'histoire et d'archéologie à l'Université de Kinshasa en RDC. D'accord, très bien. Donc, vous êtes archéologue et historien. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer en quelques mots en quoi consiste votre travail et pourquoi est-ce que vous avez choisi de devenir archéologue alors que vous aurez pu devenir politicien, architecte ou informaticien? C'est un peu presque un hasard en fait, mais ça serait long à expliquer. C'est que depuis toujours, j'ai toujours aimé quand même l'histoire et surtout l'histoire du Royaume Congo. Et il s'est fait qu'en 2012, il y a eu un projet qui s'appelait Projet Congo King, financé par un programme ERC. Que l'université de Gand, en collaboration avec Tervuren et l'université de ULB, avait mis en place. Et donc, j'ai été accepté dans ce projet et j'ai fait ma thèse de doctorat au sein de ce projet-là. D'accord. Alors, puisque vous avez commencé à parler effectivement de l'université, du projet Congo King, alors, est-ce que vous pouvez nous parler brièvement, en fait, de ce projet, de la série de recherches archéologiques que vous avez fait et quel était leur objectif?
Ben, le projet Cocon King était un projet interdisciplinaire qui a réuni des spécialistes de la linguistique, des spécialistes de la linguistique africaine, des spécialistes en archéologie et en histoire. L'idée était que les origines lointaines du Royaume Congo étaient un peu méconnues. Donc, on voulait, à travers des fouilles archéologiques et des travaux de linguistique, qu'on puisse essayer de remonter un peu plus loin dans le temps les origines du Royaume Congo. Et donc, on a effectué des fouilles. Malheureusement, comme il y avait aussi un projet un petit peu parallèle au niveau de l'Angola sur Mbanza Congo, on n'a jamais eu les autorisations nécessaires pour rencontrer l'équipe dans laquelle Sonia Dominguez évoluait. Donc, on s'est simplement contenté sur des sites en RDC. Là, on avait eu les autorisations de fouilles. Et on a fouillé. La RDC a la particularité au fait que trois grandes capitales des provinces du Royaume Congo se trouvent en RDC. La province de Nsundi, de Mpango et de Mbata. Donc, Mbanza Nsundi, Mbanza Mbata et Mbanza Mpango se trouvent en RDC. Donc, on a fait des fouilles dans ces anciennes capitales provinciales. Mm-hmm. Et on a trouvé beaucoup de matériel qui se retrouve actuellement à l'Institut des musées nationaux du Congo, stocké là. Voilà. D'accord. Alors, qu'est-ce qui a été à l'initiative justement de ces fouilles? Est-ce que c'est les autorités congolaises ou c'est parce que j'ai compris que ces fouilles avaient été financées par une université belge. Donc, qui a été à l'initiative justement de ces fouilles archéologiques? C'est l'extérieur, c'est les universités, c'est l'université. Donc le chef du projet, le pays, c'était le professeur Koun Bostoun de l'université de Gand, qui est linguiste de formation. Et comme ils cherchaient un financement ERC, c'est European Research Council, ce sont des financements de très grands montants. Alors, on leur a imposé que ce soit un projet interdisciplinaire. C'est ainsi qu'il s'est allié avec un archéologue, Pierre Demarais, qui est l'ancien recteur de l'ULB. Et voilà comment est-ce que le projet a atterri au fait en RDC. D'accord. Et les Belges sont venus voir justement les autorités congolaises et peut-être les autorités universitaires. Et le projet a pu se mettre en œuvre, c'est ça. Allô, oui, parce qu'à l'époque, Pierre... Alors, on a un peu du mal avec Hugo. Allô, ça coupe. C'est... Allô, Hugo. Allô. Allô, Hugo, on a un peu de mal. La connexion coupe. Non, là, c'est bon. Là, on vous a retrouvé. Allez-y. Ah, ça va. Je disais donc, Pierre Demarais, qui a évolué au Congo, en RDC, depuis les années 70, avait des attaches ici à Kinshasa. Et fait le professeur Jacob Sabakinou, qui était un historien démographe, c'est lui qui a permis, en fait, ses contacts et pour que le projet se mette en place ici en RDC. D'accord. Et il a duré combien de temps? Les fouilles en question ont duré combien de temps? Le projet était pour 5 ans, on a fait 4 ans de fouilles, de 2012 à 2016. Voilà, très bien. Et rapidement, en fait, quel était votre rapidement, hein, sans vraiment entrer dans les considérations techniques, parce que la majorité de ceux qui nous regardent ne sont pas des archéologues, mais bon, quelle aurait été effectivement votre méthodologie, votre façon de travailler, comment est-ce que les sites où vous avez effectué les fouilles ont été choisis? Donc, effectivement, c'est sur trois capitales de province de l'ancien Royaume Congo, mais concrètement, comment est-ce que vous avez travaillé? Comment est-ce que la méthodologie de travail s'est mise en place? Ben, comme je le disais, comme c'est un projet interdisciplinaire, c'est qu'il y avait toutes les sciences qui étaient mises ensemble pour essayer de trouver les choses. Ben, il y a la documentation assez importante depuis la fin du XVIe siècle sur le Royaume Congo. Donc, on a épluché tous les textes et toutes les descriptions sur ces anciennes capitales-là. Parce que l'un des enjeux était aussi de démontrer au fait que l'urbanisme en Afrique centrale, au Moyen-Âge, existait. Et donc, on a pu dépouiller les sources historiques et puis nous sommes allés maintenant sur le lieu pour essayer de retrouver. Parce qu'en archéologie, on peut parler d'un site, de Delphes ou d'Athènes, mais en archéologie, il faut retrouver physiquement le site et prouver que voilà, ce site est à relier avec les sources textuelles historiques. D'accord. Donc, si je comprends bien, en fait, vous avez commencé par faire une recherche bibliographique. Oui. C'est-à-dire que vous avez d'abord cherché en fait ce qui était écrit sur la littérature sur les différentes provinces effectivement du Royaume Congo.
Et en fonction de ça, vous avez essayé de retrouver effectivement si ce qui était écrit correspondait à ce qui était sur le terrain. C'est ça? Oui, c'est ça, c'est justement ça. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire justement ce que vous avez découvert pendant ces fouilles archéologiques? Succinctement, sans rentrer dans les détails, parce qu'il faudra peut-être consacrer toute une émission sur ça. Bon, disons qu'on a pu, malheureusement, parce que c'était un questionnement, c'est la science, c'est qu'on n'a pas pu retrouver la capitale de Mbanzambata, la capitale de l'ancienne province de Mbata. Mais on a fouillé plutôt une ancienne église du XVIIe siècle, qui était dans une colline à côté de la rivière Inkisi, qui s'appelle Ngongombata. Et on a retrouvé la capitale de Mbandansundi qui se trouvait sur la route. Ben, ceux qui connaissent un peu le Kinshasa ou le Congo central, c'est la route qui va vers les chutes de Zongo. Donc c'est à peu près 30 km de la cité de Kisantu. On a retrouvé cette capitale-là. Et là, les dates d'occupation du site remontent au XIIIe siècle. D'accord. Donc on a trouvé de la poterie qui remonterait au XIIIe siècle. Mais la densité d'occupation de cette capitale de Mbandansundi tourne autour du XVIe siècle. Et Mbanzapung aussi, on a trouvé des traces d'occupation, des traces même qui datent, qui relient au 5e siècle après Jésus-Christ, mais disons que moins de traces liées au 14e, 15e siècle. Donc, très concrètement, quand vous dites les traces, moi je ne connais rien en archéologie, et c'est sûr que la majorité des gens qui nous suivent aussi, très concrètement, qu'est-ce que vous avez trouvé et qu'est-ce qu'on peut aujourd'hui montrer sur la province de Mbanzambata, par exemple. Qu'est-ce que vous avez trouvé concrètement? Mbanzambata, par exemple, on a trouvé un cimetière, des tombes datant du XVIIe siècle, où on a enterré, c'est connu, en fait, le site est connu depuis 1930-1940, on a enterré des princes un peu Congo, plusieurs personnes avec des prêtres et tout. Dans la source textuelle, on parle aussi de Mbanzambata, c'était une grande cité. Pour Mbandansundi, par exemple, on a trouvé la capitale, on a aussi trouvé des tombes aussi. Et là, par exemple, les tombes, ce qui était intéressant, c'est qu'on a trouvé des tombes, la richesse des tombes montrait au fait que c'était les personnes qui étaient enterrées là-bas, un statut un peu spécifique, donc des dignitaires. On a trouvé une vieille dame qui est décédée là, un enfant autour de 10 ans d'âge à peu près, si je ne me trompe pas. Et puis, on les a trouvés dans les tombes, il y avait aussi des sabres qui étaient enterrés avec les restes des squelettes. D'accord. Sur les villes, quand vous dites que vous avez trouvé des villes, c'est-à-dire que vous avez trouvé peut-être des restes de bâtiments, un peu comme quand on va à Rome aujourd'hui, on trouve les restes du Colisée. Donc, en fait, le bâtiment, il est peut-être, toutes les pierres ne sont plus en place, mais il y en a quand même suffisamment pour essayer de voir que non, ça, c'était un vieux bâtiment. C'est ça? Non, malheureusement, quand vous allez dans les descriptions des sources historiques, même les missionnaires qui étaient au Rome Congo étaient étonnés de voir que les Congos n'utilisaient pas la pierre pour construire. Et même en bas à Congo, c'est simplement l'arrivée des Portugais qu'on a vu des constructions en pierre. Ils utilisaient des matériaux périssables. Donc, c'est un peu ça. Non, mais ce que je veux comprendre, c'est vraiment qu'est-ce qui vous permet, quelles sont les traces qui vous permettent de dire que là il y avait une ville, en dehors des écrits, j'ai bien compris. Oui, premièrement, le toponyme est resté. D'accord. C'est quoi le toponyme, s'il vous plaît? Le toponyme Mbandansundi. Par exemple, ça existe jusqu'à présent. C'est quoi le toponyme? Le nom. Le nom du lieu, voilà. Le toponyme Mbandansundi est resté jusqu'à présent. Mbanzampang aussi est resté jusqu'à présent. Mbanzambat a la même chose. Et puis, quand on voit la localisation de ce site-là par rapport aux descriptions historiques, on voit que ça concorde. Voilà. Très bien. OK. Alors, est-ce que vous avez trouvé des éléments religieux ou des éléments immatériels qui permettent aujourd'hui de dire qu'effectivement ces sites-là étaient des sites importants pour le Royaume Congo? Est-ce qu'il y a, il y a encore des traditions? Est-ce qu'il y a encore des fêtes? Est-ce qu'il y a encore des signes religieux qui montrent qu'effectivement ces endroits-là étaient très importants sur le Royaume Congo? Par exemple, à Ngongombata et à Mbandansundi, on a aussi trouvé de la céramique européenne qui date des périodes contemporaines du Royaume Congo, donc le 16e, 17e siècle. Et même des crucifixes, même une cloche ancienne, on a trouvé ça, en fait, et à Mbandansundi et à Ngongombata. Et on a même trouvé de la poterie du 18e siècle, qui, le style de la poterie ressemble à ce qu'on trouve à Mbanza Congo. Très bien. Alors, moi j'ai envie, parce qu'en fait, le thème de la conférence, c'est justement comment est-ce qu'on peut développer le tourisme de mémoire. C'est vrai qu'il y a la partie scientifique.
à vous entendre, qui est super intéressante. Maintenant, déjà, moi, ce que je voudrais savoir, aujourd'hui, est-ce que la société congolaise a conscience que derrière ce patrimoine, qui est un patrimoine historique, il y a une véritable valorisation, il y a de la valeur à faire, ou encore aujourd'hui, on considère que ce sont des choses qui sont des choses scientifiques et qui n'intéressent guère personne, que ça ne peut rien rapporter au pays. Est-ce que vous pensez que les gens ont bien compris que derrière ces fouilles archéologiques-là, il y avait un vrai intérêt, déjà pour la région, pour valoriser la région, mais également pour le tourisme, par exemple? Malheureusement, je dois être sincère, c'est que les autorités, que ce soit la population de manière générale, n'est pas en phase en fait avec ce que vous dites là. Les personnes ne comprennent pas encore tout l'intérêt de nos recherches. Par exemple, on a fini les fouilles depuis 2016 et le matériel jusqu'à présent n'a jamais été exposé. Ça fait pratiquement plus de 5 ans. C'est encore emballé dans des caisses. Et se trouve où ce matériel là? D'accord. À l'Institut des musées nationaux du Congo à Kinshasa. Non, mais cette question, effectivement, est une question très importante, hein, parce que lorsque vous voyez des destinations comme, toute comparaison gardée, hein, des destinations comme l'Égypte aujourd'hui, les principaux touristes qui vont en Égypte, il n'y a pas que le tourisme, hein, il y a aussi un certain nombre d'échanges qui sont faits avec des musées internationaux qui rapportent aussi beaucoup d'argent au pays. C'est quand même autour du patrimoine, autour des pyramides, c'est vrai, c'est que la différence, dans vos entendre, c'est qu'effectivement, les traces physiques qu'on en trouve aujourd'hui, peut-être en Égypte, ne sont peut-être pas équivalentes à ce qu'on peut trouver aujourd'hui en RDC ou au Congo-Brazzaville. Mais on sait très bien qu'il y a des pays comme l'Égypte, il y en a bien d'autres, qui arrivent à valoriser justement le patrimoine historique. Pourquoi est-ce que nous, dans nos pays, et notamment en Afrique centrale, on n'arrive toujours pas à comprendre que en mettant ça en valeur, on peut arriver à attirer des touristes? Comment faire, effectivement, pour faire comprendre aux gens que, en fait, on est assis sur une mine d'or, mais qu'on n'en avait pas attention, quoi. Bon, il faut un lobbying. Je pense que c'est le problème, c'est cela. Il faut un lobbying, mais ça serait un petit peu… Je dois dire la vérité, c'est qu'il y a eu des tentatives quand même dans les années 90 sur la route des esclaves. Il y a eu des tentatives vers 2007, mais c'est resté sous forme de projet. Donc, rien de vraiment concret. En 2016, le gouvernement congolais a eu l'initiative d'essayer de relancer les choses. Ils ont fait appel à mes services. Par rapport aux fouilles qu'on a fait à la province de Mbandansundi, là, il n'y avait pas beaucoup d'intérêt. Par contre, en 2016, quand je suis allé vers la côte, à Mwanda et autour de Boma, là où il y avait vraiment des ports de transit, d'embarquement des esclaves, là, par contre, à la fois dans les paysages, dans les témoignages des gens, on sent qu'il y a encore les traces de la traite négrière. Donc, les vieux de ces villages analysaient, par exemple, que les bateaux arrivaient à tel endroit. Et quand vous allez faire cette piste-là, vous trouvez de la poterie, de la céramique européenne. Donc, ça montre qu'il y avait une trace, en fait, des contacts. Et là, vraiment, à Mwanda et à Boma et l'île de Katala, de Ponta d'Alena, donc l'île du Bois Noir, là, au moins, il y a encore des traces, en fait, il y a encore de la connexion entre les populations, les vieux, par rapport liés à la traite négrière. Mais à l'intérieur du Congo, à la ville de Kinshasa, les politiques, ils sont vraiment très peu intéressés sur la question. Ils parlent de ça des bouts des lèvres, mais concrètement, non. Il n'y a pas de dynamisme concret. Alors, moi, j'ai envie de dire, puisque de toutes les façons, aujourd'hui, on le voit avec d'autres pays, et notamment sur le patrimoine lié à la traite négrière. Vous avez parlé tout à l'heure, effectivement, de la piste des esclaves ou des pistes des esclaves qui existent encore aujourd'hui en RDC. Vous avez parlé de témoignages d'un certain nombre de vieux ou des gens qui transmettent en fait ce qu'on appelle des témoignages oraux. J'ai envie de dire aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut s'organiser pour attirer justement les Afro-Américains, ce marché-là, qui ont soif d'Afrique. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour essayer de structurer ou de mettre en place un certain nombre de choses? Parce que vous nous avez parlé de choses de manière scientifique, vous nous avez parlé effectivement d'un certain nombre de fouilles que vous avez faites, des pièces que vous avez récoltées. Mais comment est-ce qu'on fait pour valoriser toutes ces pièces-là et les utiliser
pour attirer les touristes au mémoire. Est-ce que vous, quel est votre ressenti? Quelles sont les propositions si demain un politique ou un responsable politique congolais ou étranger viennent et disent, voilà, monsieur Matonda, est-ce que ce travail-là, il y a moyen de pouvoir le valoriser et notamment pour attirer les touristes afro-américains? Mais bien sûr qu'on peut le faire. Les scientifiques, ils apportent toujours son expertise. Mais il faut une synergie entre les politiques, les décideurs, les scientifiques, ainsi qu'avec les mécènes. Donc, c'est ce travail-là à trois pôles qui peuvent essayer de développer les choses. Mais je voudrais faire une incise, en fait, c'est que la République démocratique du Congo a aussi une particularité. Elle a connu à la fois la traite atlantique et la traite orientale. Et par exemple, là, en 2016, le gouvernement congolais avait aussi lancé le projet pour retracer les traces de la traite arabe. Et là, par exemple, il y a des traces encore. Il y a encore des monuments des années 50, la piste des esclaves, il y a des traces. Le camp de base de fameux type, nous l'avons fouillé, nous avons trouvé des vestiges là, et c'est assez intéressant. Mais en 2016, il y avait une volonté des politiques du gouvernement congolais. Après, bon, ça a disparu. D'accord. Alors, tout à l'heure, j'ai vu que vous souhaitiez montrer une carte. Je ne sais pas si Sir Makosso, en régie, vous l'avez envoyé la carte ou pas, Igor? Oui, j'ai envoyé la carte par email. Je ne sais pas s'il a pu avoir ça. D'accord. En fait, c'est une carte, c'est un travail que j'ai fait en fait, parce que souvent on dit, il y avait un grand débat en fait, on disait que c'est plutôt l'Afrique de l'Ouest où il y a eu beaucoup d'esclaves, ensuite c'était autour du Nigeria, le Bénin et tout, mais les travaux linguistiques et le dépouillement des registres des débarqués ont montré que la plupart avaient la consonance des noms Congo. Et donc là, sur cette carte-là, j'ai fouillé les sources textuelles et les sources des navigateurs pour retracer tous les lieux d'embarquement des esclaves. Et depuis Port-Gentil, donc au Gabon, Sainte-Catherine, à Setekama, jusqu'à Benguela, on trouve comme ça une série successive des endroits qui sont à l'époque au XVIIIe siècle, XIXe siècle, c'est attesté que ce sont des lieux où les bateaux accostaient pour prendre la marchandise, parce qu'on était traité comme une marchandise, malheureusement. Et donc, à ce propos, pour compléter un peu ce que tu viens de dire, Igor, moi, je suis allé à Nantes, parce qu'à Nantes, c'est l'une des principaux endroits où partaient les bateaux de France pour l'Afrique, pour justement prendre des esclaves. Donc, quand vous arrivez, ils ont créé un mémorial, en fait. Ils appellent ça le mémorial de l'esclavage et de ses abolitions, un truc comme ça. Donc, c'est à Nantes, c'est en plein centre-ville de Nantes, donc c'est proche du Loire. La Loire, ça doit être un cours d'eau que empruntaient les bateaux avant d'aller à la mer. Alors, vous avez en fait au milieu de ce mémorial-là une grosse fresque où vous avez la carte de l'Afrique et vous avez, par région de l'Afrique, le nombre de déportés. Moi, je n'appelle pas des esclaves, parce que les esclaves, ils ont été esclaves quand ils sont arrivés aux États-Unis, aux Antilles ou à la Caraïbe. Quand ils étaient chez nous, c'était des captifs, c'était des déportés. Et ils ont dit que sur les 12 millions, l'estimation, sur les 12 millions, d'accord, de déportés entre le 16e et le 19e siècle, d'accord, il y a près de 50% qui venaient d'Afrique centrale, qui venaient des côtes de l'Afrique centrale. Donc, pendant longtemps, on nous a dit que le symbole de l'Afrique, de la traite négrière, c'était Gorée, l'île de Gorée, c'était Ouida, c'était le Ghana, c'était le Nigeria. Mais aujourd'hui, les preuves sont là et attestent que l'Afrique centrale a été l'épicentre. Plus de 50% des personnes qui sont parties pendant la traite négrière sont parties d'Afrique centrale. Ce n'est pas pour rien que des pays comme le Congo où la RDC sont des pays qui ne sont pas super peuplés. Quand vous regardez la population de la RDC, c'est 50 millions d'habitants, mais lorsque vous regardez le territoire... Oui, il y a des grands vides, la répartition de la population n'est pas importante. Voilà. Mais c'est connu en fait que quand on fait des études démographiques, la ponction démographique a été importante. Bon, il y a aussi des mécanismes de régulation. Une population, quand elle subit ces genres de ponctions de démographie, parfois, la population, soit elle peut utiliser elle peut devenir polygame, par exemple, pour essayer de compenser les pertes,
ou soit il y a des déplacements de population, ou soit par exemple la fécondité peut s'accroître. Donc il y a beaucoup de paramètres comme ça qui... il y a un grand débat en fait, un grand débat sur quelle était la quantité de la population, le niveau de la population, les effectifs avant la traite, après la traite. Moi j'ai écrit un article en 2016 parce qu'il y avait un auteur américain, John Thornton, un ami, qui expliquait en fait, en partant des registres des baptêmes, il trouvait qu'il y avait moins de gens, moins d'habitants au Royaume Congo. Bon, le problème, c'est que sa source, les baptêmes, étaient partiels, parce qu'il s'est simplement contenté des registres des baptêmes des Capucins. Et donc, j'ai publié cet article-là au Cahier des études africaines pour montrer en fait qu'il y avait des erreurs de calcul et qu'il y avait des biais qui n'avaient pas tenu compte. Et je remettais un petit peu au niveau normal que la population du Royaume Congo était très, très... Il y avait une grande population et que la traite négrière a vraiment affecté à la fois les conditions sociales, économiques et politiques qui ont fait que le Royaume Congo puisse disparaître. Donc, c'est un grand débat. Et pour revenir à ta question de l'Afrique de l'Ouest, ce sont des enjeux. Donc, il faut voir la traite négrière aussi en termes économiques et en termes aussi idéologiques. Donc, je pense que les personnes qui se sont orientées vers l'Afrique de l'Ouest, vers le Sénégal, ils ont intérêt à ce que l'Afrique centrale ne puisse pas se réveiller sur cette question. Est-ce que tu ne penses pas qu'en Afrique centrale, cette question de la traite négrière est une question un peu taboue? Est-ce que quelque part, sans le vouloir, dans notre subconscient, à nous, on aurait un peu honte de cette histoire et c'est peut-être pour ça qu'on n'en parle pas? Moi, par exemple, j'ai connu cette histoire-là, adulte, une fois arrivé en Europe. Même à l'école, si ma mémoire ne me trompe pas, ne me lâche pas, quand j'entendais parler de la traite négrière, on en parlait plutôt du côté de l'Afrique de l'Ouest, du côté du Sénégal, du Bénin et du Ghana. On n'en parlait quasiment pas chez nous. C'est comme si ça s'était jamais passé chez nous. Est-ce que tu penses que derrière, il n'y a pas une question de tabou? Est-ce qu'on n'a pas honte de cette histoire? Et c'est peut-être pour ça qu'on n'en parle pas. Et comme on n'en parle pas, qu'on n'arrive pas à valoriser cette histoire. On pourrait dire ça un petit peu. Il y a eu dissimulation des informations, peut-être bien. Mais par exemple, en 1921, il y a déjà un prêtre Rinchon, je crois qu'il est jésuite, qui écrit déjà « La traite négrière et 250 000 millions de déportés congolais ». Donc déjà dans les années 30, il y a un auteur, un prêtre, qui parlait déjà que la traite négrière a affecté le Royaume Congo. Donc oui, il y a peut-être bien probablement eu l'information n'est pas passée. Et comme c'était à l'époque aussi coloniale, parce que l'Européen voulait un petit peu qu'il ne puisse pas être sali, là on peut souligner cela. Mais je pense que c'est aussi de notre propre faute, nous-mêmes, les ressortissants de l'Afrique centrale, c'est qu'on ne s'organise pas assez. Là, par exemple, vous avez eu cette très bonne initiative d'essayer d'organiser les choses, cette conférence en ligne, pour parler de cela. Il y a une offre, il y a un souci des origines et tout. Et donc, il faudrait nécessairement qu'on puisse se rencontrer, qu'on puisse discuter. Et c'est vrai qu'il faut à la fois les politiques, mais aussi le secteur privé, parce que le secteur privé est beaucoup plus dynamique. Les politiques peuvent prendre des décisions simplement pour les faits, pour faire effet, mais parfois ils s'arrêtent en chemin, parce que parfois les Européens peuvent dire non, n'avancez pas sur cette question-là, de réparation surtout et tout. Donc je pense qu'il faut que le secteur privé, avec les scientifiques ou les amateurs, les personnes qui sont vraiment touchées sur la question, pour essayer de faire avancer les choses. C'est vraiment un très grand débat. D'accord. Alors, juste, il y a la carte, vous l'avez envoyée à quel mail? L'email de, je pense que c'était Cyril, hein, qui m'a envoyé le lien. Cyril Makosso? Non, c'est moi qui vous ai envoyé le lien. Ah, mais je t'ai envoyé alors. Je t'ai envoyé la carte. Ce n'est pas arrivé? Non, c'est pas arrivé, non. Oh, malheureusement alors. C'est il y a 27 minutes à Guillaume. Oui, oui. Non, je n'ai pas reçu. Oh, peut-être que ça pourrait arriver dans l'heure. Donc, c'est une carte, en fait. D'accord. J'essaie de renvoyer encore, alors. Oui. Ou, attends, je te mets mon adresse mail en direct, ou celle de Cyr. Attends. Alors, comme ça, on va pouvoir... Alors, je ne sais pas si, Cyr Makosso, il y a des gens qui ont des questions à l'intention d'Igor. Alors, je regarde vite fait, en attendant. Alors,
Alors, il y a une personne qui vient de laisser un témoignage qui s'appelle Aimé Mawana. Aimé Mawana Malutaya. Bon. Bonjour à tous, thématique est très bonne et importante. Je vis en Guadeloupe depuis plus de 20 ans. Il y a des personnes descendantes des Congolais ici. L'intérêt est important pour ces descendants, mais le problème qui se pose, le Congo n'est pas un pays où on peut se rendre avec sécurité. Bon, mais en tant que Congolais, on se sent pas en sécurité. Comment conseiller une personne ou groupe de personnes de s'y rendre, même si le pays regorge de plusieurs atouts? Le problème de sécurité entraîne inévitablement le coût prohibitif pour le voyage. Mais pour me rendre au Congo, il me faut 2 000 euros pour le transport et prévoir le séjour gratuit pour moi, mais payant pour les autres. L'instabilité politique est le grand frein pour le développement de la culture et du tourisme. Comme on le dit, l'espoir fait vivre. L'autre problème est qu'on n'a pas la culture de la conservation du patrimoine. Bon, alors, sur les problèmes de sécurité, je pense que... De quel Congo il parle, en fait? Il faudrait savoir de quel Congo il parle. Parce que moi, je dis toujours, il y a deux choses. Il y a la perception de la sécurité et l'insécurité en tant que telle. Parce que la RDC, c'est un grand pays, on parlait de la RDC, mais les problèmes de sécurité dans une ville comme Goma ne se posent pas de la même manière que dans une ville comme Kinshasa. Voilà. D'accord? Et pareil, le Congo-Brazzaville, c'est un pays qui est relativement sûr pour des touristes. Si vous n'allez pas à des endroits compliqués, vous n'avez pas de problème. Bon. Voilà. On voit bien que ça, c'est un autre débat. Mais moi, la question qui m'intéresse, c'est est-ce que, comme dit cet internaute, est-ce que dans nos pays, en Afrique centrale, est-ce que vous pensez qu'on a des problèmes de conservation? Et moi, j'ajouterais même de valorisation de notre patrimoine. Oui, il y a des problèmes sérieux. Par exemple, pour le cas de la RDC, par exemple, l'Institut des musées nationaux, qui avait son siège là où il y a la présidence actuelle, la présidence de la République du Congo, depuis les années 70. Et l'actuel président de la République, par exemple, décide de le faire évacuer. Il y a à peu près 45 000 objets que cette institution détient. On ne sait pas où on va les mettre. Et les autorités politiques s'en foutent un petit peu. Donc, c'est. On ne peut pas mettre ça dans le musée. Malheureusement, le nouveau musée a été construit pour contenir à peu près seulement 15 000 objets. D'accord. Et donc, ça a déjà été évacué, les 15 000 objets. Donc, il y a à peu près une. Et là, malheureusement, le plus haut sommet, ils s'en foutent un petit peu. Et c'est décevant comme ça, parce que nous, on fait des fouilles. Il y a cette question-là du rapatriement du patrimoine volé à l'époque coloniale. Mais où est-ce qu'on va les exposer? S'il n'y a pas une volonté, s'il n'y a pas une politique. Bon, c'est vrai que l'actuel président de la République a la très bonne volonté de changer les choses, mais sur le point de la culture, sur le point du patrimoine, malheureusement, je n'ai pas encore vu les signes positifs. Oui, mais est-ce que là encore, et ce sera peut-être la dernière question, parce qu'il faut qu'on passe justement à d'autres débats, est-ce que là encore, on ne peut pas imaginer qu'il y ait des mécènes? Enfin, aujourd'hui, on est Congolais, on connaît tous le phénomène des Mabanga. Et on sait qu'il y a beaucoup de mécènes qui mettent beaucoup d'argent dans les Mabanga. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a moyen aujourd'hui d'intéresser des mécènes? Parce qu'aujourd'hui, quand vous faites le Mabanga, il y a des gens qui mettent des 20 000 euros, 30 000 euros pour les Mabanga. Donc, si vous avez 100 personnes qui vous mettent 30 000 euros, ça vous fait combien de... Ça vous fait 3 millions d'euros. Donc, est-ce que quelque part, un peu comme cela se fait aussi dans d'autres pays, hein, je sais qu'au Sénégal, à Saint-Louis, il y a un mécène qui a financé, par exemple, la construction d'un musée de la photographie. Est-ce que les autorités, on sait comment est-ce qu'elles agissent, on sait qu'elles ont d'autres préoccupations, est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas intéresser des mécènes, des gens qui ont de l'argent, qui ne savent pas en quoi en faire, au lieu de mettre ça uniquement dans les Mabanga? Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire dans les Mabanga. Hein. Bon, il faut bien aussi que les musiciens vivent. Mais oui. Est-ce qu'il y a moyen d'intéresser des mécènes pour qu'ils viennent mettre une partie de leur argent dans la création de musées à Kinshasa ou ailleurs, en Sundi ou en Bata, pour que effectivement on puisse construire des musées sur des financements privés qui vont justement accueillir ce patrimoine? Mais je crois que c'est un problème de culture, c'est vrai, on peut dire que c'est absent, mais on peut créer ce dynamisme-là. Parce qu'on a par exemple l'exemple de Feu Dokolo Sindika, qui est malheureusement décédé. Il a énormément investi dans la culture.
Il a, parce que par exemple, l'art, la peinture en fait, contemporaine congolaise, elle se vend en millions de dollars maintenant actuellement. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Mais il faudrait simplement susciter, en fait, susciter cet attrait vers ce secteur-là. Cet intérêt-là, voilà, vers ce secteur-là. C'est vrai que les Mabanga, les Mikilistes, entre guillemets, qui font cela, c'est une autre dynamique. Ils veulent être reconnus comme les sapeurs. Il va être reconnu et pour eux, ça passe dans la musique. Quand la musique est très écoutée, donc pour être reconnu, il faudrait être, faudrait qu'un chanteur puisse chanter son nom ou dire ou lancer les mabangs et tout cela. Donc, si on arrive à expliquer, donc il faut vraiment une éducation, une culture. Si on arrive à expliquer à ces gens que, par exemple, que ton nom puisse être attaché, rattaché ou lié à une question comme la traite négrière, ça te valorise encore beaucoup plus. Et malheureusement, en Afrique centrale, cette culture-là, on le voit même en politique, par exemple, il y a beaucoup de politiciens qui décèdent, ils ne laissent pas des autobiographies, pas de mémoire. Très bien. Alors, on va arriver justement à la fin de ce premier entretien, de cette première partie de notre conférence. Donc, effectivement, votre témoignage est très intéressant. Donc, moi, ce que j'en retiens, c'est qu'effectivement, il y a des choses qui existent, qu'on peut valoriser. Il y a une histoire, il y a un patrimoine, il y a des objets, et que la seule chose qui reste, en fait, c'est pouvoir le valoriser. Alors, moi, et organiser, tout à fait. Donc, il faut effectivement essayer d'intéresser les pouvoirs publics, évidemment, mais aussi essayer d'intéresser, effectivement, la société civile et le secteur privé, qui peuvent, effectivement, aussi, pourquoi pas, venir mettre de l'argent, parce que vous avez cité le cas du syndicat de Colo. Mais je pense qu'il y a d'autres Congolais, que ce soit de la RDC ou de Congo-Brazzaville, qui ont les moyens, ou de l'Angola, qui ont les moyens effectivement de mettre de l'argent dans la valorisation de ce patrimoine-là. Et comme vous avez su le dire, c'est qu'aujourd'hui, quand votre nom est rattaché à quelque chose qui a de l'intérêt de manière universelle, comme la traite négrière, c'est quelque chose qui peut avoir de l'importance. Bon, alors, on a un problème avec la carte, on ne l'aura pas aujourd'hui, mais ce n'est pas grave. On l'affichera peut-être à la fin de cette émission sur nos différentes pages. Ça pèse 2,4 mégabytes. Est-ce que ce n'est pas lourd? Ouais, c'est peut-être pour ça que ça ne passe pas. En fait, ça aurait dû faire un transfert. C'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. Bon, alors, je termine. On va terminer cet entretien avec une question. Est-ce que pour vous, Igor Matonda, est-ce qu'il est possible de développer du tourisme de mémoire en Afrique centrale et en RDC? Si, pour moi, je pense que, et je suis convaincu même qu'il est possible de développer le tourisme de mémoire. Il y a suffisamment de traces, à la fois matérielles et immatérielles. Et par exemple, là, je dois écrire un article pour Cambridge, qui doit sortir bientôt avec deux collègues, Noémie Arasi et Alexandre Vincent Smith. Oui, allez-y. Allô? Le tourisme de mémoire lié à la traite négrière n'avance pas en Afrique centrale. Donc, il est possible, à mon avis, de développer cette culture-là. Très bien. Bon, merci beaucoup, Igor. Merci beaucoup. Très bien, 5 sur 5. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot pour clôturer justement cette première partie de conférence. Allô? Allô, on a un petit problème. Donc, on va terminer cet entretien. Donc, on va pouvoir faire une petite pause. Donc, si Sir Makosso peut passer un petit jingle en attendant de recevoir notre prochain invité. Allez, à tout de suite. Faut pas blaguer des Ziana TV. Il n'y a pas d'eux. Ziana TV. La chaîne qui nous redonne de l'espoir, Ziana TV. C'est la chaîne qui nous accompagne au quotidien, Ziana TV. C'est la chaîne qui te dit vas-y, on avance, allez, on y va ensemble, Ziana TV. Faut pas blaguer des Ziana TV. Il y a pas d'eux.
pas blaguer des Ziana TV. Il n'y a pas de Paris et partout ailleurs dans le monde suit Ziana TV. Ziana TV, la chaîne au cœur de la diaspora. Bitope Kumindouli, Kubwanza, Kouesso, Kouifondona Kouyevo. Ziana TV quoi. Kouboko, Ti Kousibiti. Ziana TV quoi. Ziana TV, la chaîne des Congolais. Ziana TV, la chaîne au cœur de la diaspora. Télé moko ya bien, ma formation ya bien, pona batoa bien. Faut pas blaguer de Ziana TV. Il y a pas de. Alors, bienvenue sur Ziana TV. Nous sommes toujours en direct. Sur Ziana TV, la conférence de mémoire est-il possible de développer le tourisme de mémoire en Afrique centrale? Donc, nous allons pouvoir recevoir notre deuxième invité, qui est Monsieur Eric Ompion, qui est lui un journaliste qui travaille aux États-Unis et qui va venir nous parler justement de tout l'intérêt du tourisme de mémoire. Donc, si la régie est prête. Allô? Bien. Eric? Eric, est-ce que tu nous entends, Eric? Oui, je vous entends. Alors, est-ce que tu peux juste est-ce que tu peux juste oui, est-ce que tu peux débarrer ta caméra, s'il te plaît? Voilà. Oh, ok. Vous me voyez? Alors, oui, très bien. Bon, bonsoir, Eric. Donc, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, est-ce que vous pouvez très rapidement vous présenter pour nos téléspectateurs et ceux qui suivent notre conférence en ligne? Bonsoir à tous. Moi, c'est Eric Impion Ibani. Je suis originaire du Congo Kinshasa, mais je vis aux États-Unis depuis presque 10 ans maintenant. J'ai plusieurs casquettes. Je suis avant tout entrepreneur. J'ai une entreprise du nom de Art Management aux États-Unis, installée. On a deux bureaux, un bureau à Dallas et un autre à Cleveland dans l'Ohio. Et principalement, nous faisons plusieurs choses, notamment du coaching en gestion, coaching en écriture, mais aussi nous permettons des gens qui veulent traiter affaires de se connecter. Parce que le problème, c'est que des fois, on peut avoir l'argent, mais on ne sait pas par où commencer. Mais je suis aussi dans la presse. Je travaille avec une radio en Martinique, la radio FM Espoir en Martinique. D'accord. Qui est une radio chrétienne, mais qui a la particularité d'être très large dans les discussions. Et nous abordons énormément la question de l'esclavage, la question de cet héritage, de ce lien entre les peuples et l'esclavage. Et enfin, je suis pasteur. Certains diraient quel est l'intérêt pour un pasteur de se retrouver en train de parler d'esclaves et d'esclavage. On m'a posé cette question un jour. Je leur ai dit, déjà dans la Bible, nous prêchons la Bible, c'est vrai, mais la Bible, c'est aussi l'histoire d'un peuple, Israël, qui a été utilisé comme ustensile pour enseigner d'autres peuples. Israël a été en esclave, a été esclave plusieurs fois en Égypte, à Babylone, tout ça. Et nous tirons des leçons de ce peuple. Donc je pense qu'en tant que Congolais, en tant que chrétien, je pense qu'il est important que je me pose des questions sur mon passé et certainement je trouverai aussi des leçons qui peuvent m'être utiles dans ma vie de tous les jours. Donc c'est à peu près ce que je fais et... Donc, au-delà de la business de ce que je fais, j'ai aussi ma fondation qui a ses bureaux à Cleveland, dans l'Ohio, au Texas et ici à Kinshasa, où nous travaillons principalement pour la promotion de l'éducation, de la culture et puis nous travaillons aussi dans le développement communautaire. Voilà, globalement, voilà à peu près ce que je fais. En même temps, je suis auteur, je publie plein de livres, j'en ai déjà 3 sur le marché. D'accord, très bien. Alors, donc j'ai bien compris que le rapport qu'il y a entre votre parcours et
le thème de ce soir, comment développer le tourisme en Afrique centrale, c'est bien entendu ce rapport que vous avez eu justement avec la région Martinique et où vous abordez les questions liées à l'esclavage et à la traite négrière. Est-ce que vous pouvez me dire aujourd'hui quelle est la température ou comment est-ce qu'aujourd'hui les gens que vous rencontrez, que ce soit en Martinique à travers votre radio ou que ceux que vous rencontrez aux États-Unis, à Cleveland, au Texas où vous êtes sûrement en contact avec des Afro-Américains. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui quelle est comment est-ce qu'ils ressentent aujourd'hui ces questions? Comment est-ce qu'ils abordent aujourd'hui ces questions de l'esclavage et de la traite négrière? Avant de répondre à cette question, je voudrais déjà dire que j'ai déjà à l'école au Congo, j'ai un tout petit peu appris sur l'esclavage, notamment avec le Royaume Congo, et notamment avec Tipoti et tout ça. Mais c'est en arrivant aux États-Unis que je me suis comme retrouvé face à des questions. Parce que vous rencontrez des gens, dans la culture américaine, ce n'est pas un problème de demander à quelqu'un d'où il vient. C'est vraiment quelque chose d'assez naturel, alors que c'est assez mal vu ailleurs. Et lorsque vous vous posez la question, vous venez d'où? Je viens du Congo. Ah, le Congo on vous cite comme ça, Goma, les gorilles de montagne, et puis on vous parle d'esclaves. Et je me suis trouvé à un certain moment, c'est que les gens venaient vers moi pour des questions que je n'avais pas. Et en tant que Congolais, ça commençait à me gêner. J'ai commencé à me dire, mais écoutez, en moi-même, je me dis, il y a quelque chose de chez moi que je ne connais pas. Déjà avec la radio en Martinique, ce qui me surprend en fait, ce qui m'a surpris, c'est de voir une radio chrétienne. Vous savez, la plupart des radios chrétiennes sont Alléluia, Amen, Bible, Jésus, et ils s'arrêtent là. Mais ce qui est bizarre avec cette radio, c'est que quel que soit le débat que nous abordons, les liens avec l'esclavage revient de manière assez naturelle sur les débats. Ça veut dire que quelque part, en tant que pasteur, nous prêchons beaucoup sur le lien des familles, sur voilà, la délivrance, et nous faisons de fois allusion aux ancêtres et aux arrière-grands-parents de ce qu'ils ont subi. Donc, eux, quasi naturel, c'est quasi impossible de parler des questions même de leur foi et n'est pas liée à l'esclavage. Alors, j'ai commencé à être invité comme ça dans plusieurs débats où je devais parler de non seulement du Congo, parce que la majorité des esclaves sont venus du Congo, mais aussi je devais aborder, commenter certaines questions liées à la société américaine, notamment avec les Afro-Américains. Donc, c'est ce qui m'a poussé depuis un long moment de m'intéresser justement à cette question et donc de devenir un tout petit peu la réponse à toutes ces questions, d'une part avec ceux qui sont aux Antilles, d'autre part avec ceux qui sont aux États-Unis, et puisque les réponses que je devais avoir devaient venir du Congo, donc j'ai comme reconnecté mon cœur à cette terre. Le vrai ressenti, le vrai problème, c'est que depuis un moment, lorsque vous consultez la société américaine et la communauté afro-américaine de manière globale, vous vous rendrez compte qu'ils se sentent un tout petit peu étrangers tout en étant américains. Ils se sentent comme, comment dire, c'est comme si l'esclavage était parti, mais était en même temps et toujours là. Et vous voyez, bien sûr, avec différentes inégalités sociales qu'il y a aujourd'hui, notamment avec l'accès à certains services publics, notamment avec, on a vu avec la manière dont la police gère les citoyens même. Lorsque c'est un noir, c'est différent. Lorsque c'est un blanc, c'est différent. Et toutes ces choses ont poussé beaucoup d'Afro-Américains à se dire, bon, finalement, si ici nous ne sommes pas chez nous, ça veut dire qu'il y a un chez nous quelque part. C'est comme ça que beaucoup ont commencé à se dire,
Il faut essayer de reconnecter, il faut essayer de voir ailleurs, notamment en Afrique, qu'est-ce qu'il y a. D'où la question de l'île de Gorée, le Sénégal, parce qu'il y a quelque chose. Mais c'est fait aussi que nous rencontrons des gens qui vous disent, moi j'ai fait un test ADN, on me dit que je suis du Congo. Est-ce que vous avez des réponses pour moi? Nous essayons de discuter, nous essayons d'échanger. J'ai discuté par exemple avec un Afro-Américain récemment qui m'a montré son acte, l'acte de décès de son arrière-grand-père, arrière-arrière-grand-père, qui a débarqué en Caroline du Sud. Et dans son acte de décès, il est bien écrit, venu d'Afrique, fils de Yango. Et ce qui est bizarre, c'est que dans ma propre famille, ma propre grand-sœur s'appelle Yango. Il s'appelle Impion Yango. L'ancien gouverneur de la ville de Kinshasa s'appelle André Kimbuta Yango. Donc, de manière claire, cet homme viendrait probablement de la province de la Bandundu, de la RDC, de la province du Bandundu, qui est d'ailleurs de l'autre côté du Congo Brazzaville, de l'autre côté du fleuve. Et le fait que je lui dise, par exemple, que dans ma propre famille, il y a ce nom Yango, je vous assure, il a failli, il était tellement ému et il a failli pleurer au téléphone pour un monsieur de plus de 50 ans. C'était assez émouvant de voir qu'il avait au moins, il avait quelque chose de concret. Alors qu'avant, c'était oui, l'Afrique, le Congo, oui, mais là, il avait quelque chose de concret. J'ai aussi un ami pasteur qui, lui, son grand-père a quitté le Congo comme libre. C'est-à-dire qu'il est allé aux Antilles après l'abolition de l'esclavage, à la recherche, bien sûr, de ses frères qui étaient partis des années avant. Alors, la tradition qui leur a été laissée, c'est qu'ils viennent, qu'ils sont, le mot qui leur a été laissé, c'est Manyanga, qui sont Manyanga. Et qu'ils ont vécu, leurs ancêtres, l'arrière-arrière-grand-père est venu d'une région où il y a un cours d'eau. Alors, en consultant l'histoire, la cartographie congolaise, les Banyanga sont du Congo central et sont vers Luozi. Et justement, à Luozi, il y a une rivière. Et le fait que je lui donne ces réponses, vous ne pouvez pas imaginer un monsieur de plus de 50 ans qui dit « mais voilà, j'avance vers quelque chose de concret alors qu'avant, on voyait, c'était, on vient du Congo et tout ça. » Et il m'a même dit que c'est un rêve de famille de poser les pieds au Congo. Et je vous assure, c'est quelque chose d'intéressant pour moi de voir que je peux, dans une certaine mesure, donner des réponses aux gens. Mais bon, comme j'ai dit, ça c'était avec le contact avec les hommes. Lorsque j'ai moi-même continué à travailler sur ces questions, je me suis rendu compte, par exemple, que dans la ville de Cleveland, où je vis depuis presque 3 ans, presque 4 ans, il y a une commémoration des esclaves, de l'histoire des esclaves dans la ville de Cleveland. Il y a eu pratiquement une semaine d'activité comme ça, où anthropologues, historiens, fils d'esclaves, journalistes, ont eu comme ça des manifestations culturelles pendant une semaine. Et ils ont même un centre culturel dédié à la communauté, principalement à la communauté afro-américaine, mais bien sûr, un peu à tout le monde, mais principalement à la communauté afro-américaine, qui porte un nom en swahili, qui est une langue parlée en Afrique centrale, notamment au Congo et à l'est du Congo. Donc, vous voyez que je commence à me dire, à un certain moment, je me dis, devrais-je rester comme un simple monument que les gens passeraient ou je dois faire quelque chose? Et donc, c'est à peu près tout ça. Mais l'affaire George Floyd, la mort de George Floyd et toutes les autres personnes qui avaient été assassinées par la police américaine a accentué la situation qui, pour que certains aujourd'hui se disent, il faut bien visiter l'Afrique, il faut bien faire quelque chose. Le boxeur Mike Tyson a par exemple dit qu'il aurait fait un test ADN et que dans son test ADN, il est prouvé qu'il est au moins 50% originaire du Congo.
parce qu'il y a justement des entreprises qui proposent ce genre de services. Et il y a aussi, je suis un show de Steve Harvey. Je ne sais pas si vous connaissez le comédien Steve Harvey, il est très populaire aux États-Unis. Il a lui-même visité le Ghana dans le passé. Et un de ses spectateurs lui a posé la question qu'il voulait visiter un endroit, aller en vacances quelque part. Est-ce qu'il il avait besoin de suggestions de destination? Et ce qui est bizarre, c'est que Steve Harvey lui a dit, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'endroits à visiter dans le monde, des endroits beaux, bien, de luxe, moderne. Mais lui a dit, en tant que noir, en tant que, aux États-Unis, on dit africain-américain, il faut faire de son mieux et visiter l'Afrique au moins une fois avant de mourir. Et il a partagé son expérience lorsqu'il est arrivé en Afrique. Il a dit, c'est quelque chose de spirituel, c'est inimaginable, c'est quelque chose d'incroyable. Et donc, on se dit, il faut faire quelque chose parce que le besoin est là. En fait, je ne sais même pas quoi ajouter parce que vous avez fait une démonstration claire et vous avez résumé à travers ce que vous venez de dire, effectivement, tout le potentiel qu'il y a autour du tourisme de mémoire en Afrique centrale. Parce qu'en réalité, comme j'ai toujours expliqué, aujourd'hui, un entrepreneur, il doit pas se poser la question « qu'est-ce que je veux vendre ?» Il doit se poser la question « qu'est-ce que les gens veulent acheter ?» Or, ce qui est extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui, on a un marché immense des Afro-Américains, des Antillais, des Caraïbéens qui veulent venir en Afrique. Que demande le peuple, j'ai envie de dire? Quel est le tourisme qu'on cherche? Ils sont là, ils veulent venir. Et comme vous avez dit, ce ne sont pas des gens. Moi, je dis que ce ne sont pas des touristes comme les autres. Parce que ces gens-là, ils font une quête identitaire, spirituelle. Quelqu'un qui vient en Afrique, il vient en pèlerinage. C'est comme nous, hein. On est pareil. Nous, on vit en Europe. Mais aujourd'hui, bon, mes parents, moi, ils sont décédés. Mais quelqu'un qui vit en Europe, qui entend que son père est mort, sa mère est morte, même si on lui demande de payer le billet 10 000 euros, s'il a 10 000 euros, il va les payer. Parce qu'il n'imagine pas une seule seconde la personne qu'il a mise au monde être mise en terre et lui ne pas être là. Donc, on voit la portée spirituelle. Et quelqu'un qui paye son billet 10 000 euros pour venir enterrer son père, c'est pas un touriste comme les autres. Donc, on voit très bien, à travers ce que vous venez de dire, qu'il y a des gens qui veulent venir en Afrique et qui veulent venir pour des raisons qui sont des raisons, mais j'ai envie de dire que ce sont des raisons, mais on ne peut même pas comparer avec quelque chose. C'est une destination où il n'y a pas de concurrence. J'expliquais tout à l'heure, en rentrant de débat avec Sir Makosso, qu'une destination qui veut se développer, la seule question qu'elle doit se poser, la seule question qui vaille qu'elle doit se poser, c'est qu'est-ce que moi je propose aux gens? Pourquoi est-ce que les gens vont venir à Kinshasa, pas à Dakar, pas à Abidjan? Si vous répondez à cette question-là, vous allez trouver des touristes. Et aujourd'hui, quelqu'un qui sait que sa famille vient du Manyanga, un noir américain qui sait que sa famille vient du Manyanga, c'est quelqu'un qui veut venir en Afrique, vous pensez qu'elle va aller au Sénégal? Elle veut pas aller au Bénin. Parce qu'elle sait que sa famille vient du Manyanga. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas de discussion, il n'y a même rien à faire. Donc, on imagine tout le potentiel qu'il y a. Moi, j'aimerais quand même vous poser une question pour que les choses soient dites. Parce qu'on a entendu ça pendant longtemps, cette accusation qui était lancée soit par les Antillais ou soit par les Noirs américains, où ils auraient une dent ou un problème, un rancœur contre l'Afrique en disant « voilà, les Africains nous ont vendus, donc il n'y a pas de raison qu'on ait de l'intérêt, il n'y a pas de raison qu'on vienne en Afrique ou qu'on ait des quelconques relations. » Parce que je sais que, bon, j'ai jamais été aux États-Unis, mais je sais que des fois, les relations entre les Noirs américains, les Afro-américains et les Africains sont des fois difficiles. Donc, en tenant compte en fait de ces deux données, de ces deux informations qui sont justes ou pas justes, mais vous allez nous le dire, hein, malgré ça, comment est-ce qu'effectivement s'inscrit ce besoin quand même que les Noirs américains ont de plus en plus de venir en Afrique? Je vais illustrer ça par une image.
Imaginez un enfant qui est né et qui a été adopté parce que sa mère a été certainement pauvre. Il y a des cas, par exemple, des femmes qui étaient pauvres, qui ne savaient pas nourrir un enfant, qui l'a fait adopter vers une famille un peu nantie, avec l'espoir de qu'il ait un meilleur avenir. On a vu aussi des cas des enfants qui ont été volés en Amérique latine, un peu partout dans le monde, qui ont été vendus en Afrique, qui ont été vendus à des gens qui voulaient avoir des enfants un peu partout dans le monde. Imaginez un seul instant que cet enfant-là, au-delà de la dent qu'il a pour ses parents, qu'il aurait fait adopter, ou voilà, au-delà de tout ce qu'on lui a dit, ne pensez-vous pas que cet enfant aurait besoin un jour de rencontrer cette mère qu'il aurait même abandonnée pour lui dire en face que tu m'as abandonné? C'est, comme je dis, c'est des choses qui sont spirituelles en tout. Ce n'est pas d'abord une affaire matérielle, financière. Vous savez, s'il y a des endroits, j'ai visité beaucoup d'endroits dans le monde, s'il y a des endroits à visiter, ce n'est pas l'Afrique. Des endroits beaux, bien, les gens à Dubaï, parce que c'est beau, c'est propre, c'est bien. Mais comme je vous ai dit, c'est des choses qui sont, en anglais on dit priceless, donc qui n'a pas de prix. C'est comme ton père que tu n'as jamais vu de toute ta vie, même si tu es millionnaire, voilà, hein, tu te diras au moins une fois, je dois voir son visage, je dois voir à quoi il ressemble. Et beaucoup qui reviennent, qui veulent revenir, qui se disent peut-être que en revenant, nous comprendrons mieux ce qui se passe dans nos vies, nous comprendrons mieux notre société. Dire que les Afro-Américains, les Antillais en veulent aux Africains, j'ai entendu parler de ça, mais vous savez, on ne peut pas aller sur des spéculations, il n'y a aucune statistique qui le prouve, donc je ne veux ni soutenir, ni aller contre cette affirmation, mais je pense que le besoin de se reconnecter est un besoin qui n'a pas de prix. Je vous ai donné l'exemple de cet ami pasteur. On dirait que spirituellement, il a donné, qu'il est chrétien, qu'il adore Dieu, qu'il a Dieu avec lui. Mais imaginez, ce besoin est toujours vivant. Imaginez. J'ai suivi un documentaire où, par exemple, une dame disait, je porte un nom blanc, alors que naturellement, je ne le suis pas. Rien que le besoin de revenir vers l'Afrique pour dire à quoi je ressemblerais si j'étais resté en Afrique. C'est un besoin inimaginable. J'ai vu aussi un autre documentaire où, par exemple, un monsieur du Congo-Brazza est allé retrouver des gens en Martinique qui portaient le même nom que lui. Il y a des besoins qui sont sans prix. J'ai aimé l'illustration que tu as donnée tout à l'heure en parlant en cas de mort. La mort est peut-être plus grave, mais rien qu'en cas de maladie. Moi, je reviens à Kinshasa chaque année parce que je me dis, j'ai perdu mon père, j'ai ma mère encore qui est vivante, il faut que je la voie. C'est des choses qui, voilà, qui n'ont pas de prix. Des fois, j'ai ma grand-mère là, le jour de cet anniversaire. Donc, le besoin spirituel qui existe et n'a pas de prix. Maintenant, la question pour nous, c'est comment les amener à faire cela? J'ai aimé ce que le professeur Igor Matonda disait tout à l'heure. Il a expliqué qu'aujourd'hui, le business qu'il y a autour est plus ou moins en train de falsifier l'histoire. Parce que les gens veulent se faire de l'argent parce que le Ghana propose des choses. Voilà, le Congo est comme entre parenthèses. Et on se dit... voilà, je pense qu'il est important aujourd'hui d'aller vers les gens, de les parler. Et s'il y a des questions, essayez de répondre aux questions. On verra que les choses vont s'ouvrir et les choses seront différentes. Il faut faire quelque chose. Voilà. Il ne faut pas rester dans les préjugés. Alors, il faut faire quelque chose, Eric. Nous sommes d'accord. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? À votre avis, à ton avis, qu'est-ce qu'il faut faire? Justement, le besoin est là, il est incontestable. Comment est-ce que les pays d'Afrique centrale peuvent s'organiser justement pour satisfaire ce besoin?
À votre avis? Bon, déjà le fait qu'on en parle, c'est une très bonne chose. Parce que moi, j'étais retrouvé seul face à ces questions. J'ai eu l'occasion d'aller visiter la Chine deux fois. C'est vrai qu'une fois, c'était pour affaires, mais la première fois, c'était en vacances avec mon épouse. Je suis allé visiter la Grande Muraille de Chine. Parce que c'est un site mémoriel aussi. J'étais ébloui par ce qui s'est passé là. C'est un simple mur, c'est vieux, mais c'est des millions de gens. C'est incroyable ce qui se passe là-bas. Ce qu'il faut, notre problème, c'est un manque d'organisation. Un manque d'organisation que nous devons résoudre. C'est vrai que les gouvernements africains, congolais, des deux Congos, ne comprennent pas forcément ou ne veulent pas comprendre ce qui se passe, mais je crois qu'en tant qu'entrepreneur, nous devons faire quelque chose. Alors, moi, avec ma fondation, j'étais en 2019, j'étais au Congo, à Kinshasa, je me rendais à Goma pour une conférence. Et pendant mon voyage à l'aéroport, je rencontre justement le professeur Igor Matonda, que je connais depuis très longtemps. Et puis, pendant qu'on discutait, il me dit, ah non, il avait, je crois, deux autres archéologues venus de Belgique avec qui il allait au Maniema pour justement les fouilles archéologiques qu'il allait faire en rapport avec Typotype. Et justement, quand il m'a parlé de ça, j'ai dit, mais moi, j'ai des amis, j'ai des gens qui m'appellent, qui disent, écoute, il faut que tu nous amènes au Congo. Qu'est-ce que je dois visiter? Qu'est-ce que je dois faire? Il me dit, moi, j'ai des recherches, je travaille justement dans cette filière-là. On peut se voir pour parler. Donc, depuis, on a gardé contact. Moi, je crois que ce qu'il faut faire, la première des choses, il faut vulgariser la question. Parce que, comme je l'ai dit, j'ai vécu au Congo, ça fait 10 ans que je suis aux États-Unis, presque 10 ans. J'en sais plus sur le Congo en étant à l'extérieur, en étant à l'intérieur. Ce qui est justement malheureux. Pardon? Tu n'es pas le seul, malheureusement. Malheureusement. Donc, est-ce qui est anormal? J'ai fait mes études, mes études universitaires ici aux États-Unis. Les Américains parlent d'eux et d'eux-mêmes. Ils parlent très peu d'autres nations. Même quand vous prenez des exemples en matière d'affaires, c'est des exemples d'entreprises américaines. Lorsque vous parlez de la culture, ils parlent souvent de l'Afrique et des autres lorsque vous abordez des questions, par exemple, en matière d'anthropologie ou de diplomatie. C'est-à-dire qu'ils parlent des autres. Mais alors que chez nous, nous parlons plus des autres et nous ne parlons pas de nous-mêmes. Donc moi, je pense que ce qu'il faut faire, il faut faire un travail de deux côtés. Le premier, c'est localement, en Afrique, au Congo, à Kinshasa, je ne sais pas moi, à Brazzaville, pour vulgariser la question. C'est vrai qu'on ne sera pas forcément bien entendu, mais il faut faire quelque chose. Parce que si rien n'est fait en amont, en aval, on ne pourra pas amener des gens. Il faudrait que les gens comprennent. C'est comme ça qu'avec ma fondation, nous avons décidé d'organiser une grande conférence qui aura lieu le mois prochain à Kinshasa pendant deux jours initialement. Il y a un autre programme qui est prévu, mais on est encore en train de mettre en place pour le troisième jour. Donc, pour justement vulgariser la question. Donc, la conférence qui aura notamment le professeur Cantonda, nous aurons aussi un professeur qui viendra de Paris, nous aurons d'autres orateurs qui viendront un peu de partout. Nous aurons aussi un orateur qui viendra de Chine, qui est dans le domaine des affaires, qui viendra nous expliquer comment la Chine met en valeur ses sites historiques. Et ça sera un moment pour nous, ça sera vraiment l'aspect business pour nous montrer comment ça se passe et tout ça. Donc, nous aurons plusieurs orateurs d'un peu partout. Mais nous aurons aussi, pour booster cette question, pour leur montrer que, pour montrer localement, parce qu'actuellement, je suis à Kinshasa déjà, je suis pour préparer justement l'événement, pour montrer justement localement ici au Congo, mais aussi un peu partout, que cette question peut, d'abord pour des raisons culturelles, c'est intéressant, mais aussi pour des raisons éducatives, mais aussi pour des raisons d'affaires, mais aussi diplomatiques. Ça peut nous rapporter beaucoup de choses. Alors, pour booster un peu, parce que vous savez, en Afrique, les gens sont un peu des Thomas, des saints Thomas. Donc, ils aiment voir, même si vous leur dites des choses qui sont vraies, ils n'ont pas vu, les gens ne croient pas. Alors, nous allons, selon le programme, amener au moins deux descendants d'esclaves à Kinshasa. L'un viendra de Martinique
qu'il a déjà confirmé, et un autre qui viendra des États-Unis, pour que eux soient comme ce témoin, pour dire que moi, je suis américain, je suis esclave. Et un autre qui viendra de Martinique, et comme ça, d'abord, c'est ce travail de vulgarisation, mais ensuite, on verra comment, avec les pouvoirs politiques, on est en train de discuter pour avoir l'appui, même implicite, de pouvoir en place pour nous permettre de faire quelque chose. Et puis ensuite, ça c'est en amont, faire bouger les choses pour que les gens comprennent, pour que les gens suivent la démarche. Et puis au niveau des États-Unis, mais aussi de tous les territoires où il y a des afro-descendants, leur dire qu'il est possible de venir chez vous, il est possible de venir visiter le Congo, il est possible de venir. Je sais que les questions d'insécurité sont tout le temps abordées. Nous tenons à dire aussi aux gens, le Congo dont on parle d'insécurité, ce n'est pas le Congo que nous voulons vous faire visiter. Il y a la guerre à l'est, qu'il y a la guerre dans la partie est du Congo. J'ai été à Goma, je n'ai jamais été inquiété, j'ai fait une semaine à Goma, je suis revenu. J'ai même fait le Rwanda à Gisenyi, je suis revenu. Donc le Congo, tel que présenté des fois par les médias, ce n'est pas ça la réalité. Donc rassurer les gens, de leur dire, nous pouvons vous amener en sécurité, visiter les sites, revenir sans qu'il y ait de problème. Mais comme on a dit, nous devons travailler dans les deux sens pour que les choses bougent. Sinon, si rien n'est fait, ça sera catastrophique. Alors, j'ai une avant-dernière question à te poser. Si tu arrives à faire venir justement des touristes afro-américains ou afro-antillais, qu'est-ce que tu leur montres ? Parce qu'ils ne vont pas payer leur billet 2 000, 3 000 euros pour venir voir le fleuve Congo, pour venir voir, aller dans les boîtes de nuit, aller danser d'une longue volo. Est-ce que tu ne penses pas, pour être honnête, pour être précis dans ma question, qu'il y a aussi ce travail de structuration de la destination à faire, de telle manière que quand ces touristes-là viennent, que ce soit au Congo-Brazzaville, que ce soit en Angola, qu'ils arrivent à voir des choses qu'ils sont venus rechercher, c'est-à-dire ces choses immatérielles-là qu'ils recherchent depuis des années, qu'ils puissent avoir, comme tu as su le dire tout à l'heure, les réponses aux questions qu'ils se posent depuis des décennies, voire depuis des siècles. Qu'est-ce que l'on peut faire justement pour ça, à ton avis ? Parce qu'il n'y a pas un travail à faire. Et ce travail-là, parce qu'on a toujours l'habitude de dire oui, mais c'est le gouvernement qui ne le fait pas. Et c'est la même question que j'ai posée tout à l'heure à Igor. Est-ce que quelque part, la société civile, nos grands hommes, au lieu d'aller donner de l'argent seulement aux musiciens pour les Mabanga, on ne pourrait pas aujourd'hui peut-être s'organiser pour mettre en place des musées, mettre en place un certain nombre de choses qui permettront à ce que les Afro-Américains puissent venir voir les choses qui leur parlent, comme au Ghana, ou comme au Bénin, ou comme au Sénégal. Justement, j'ai parlé de faire un travail de des côtés de l'Atlantique, donc du côté d'où viendraient les touristes, mais aussi localement du côté de l'Afrique. Comme je le dis, d'abord un travail de vulgarisation, un travail de pédagogie, parce que des fois, vous discutez avec les politiques, ils ne comprennent pas et vous disent, ils ne comprennent pas l'importance d'une telle chose. Donc, beaucoup de travail de pédagogie avec les différentes autorités, mais aussi, comme vous l'avez dit, il faut qu'il y ait des choses qui nous permettent des sites bien définis et un parcours, un circuit connu, clair, nous savons que s'ils viennent, nous commençons par ceci, nous arrivons par là. Alors, c'est comme ça que nous sommes en train de travailler là-dessus pour que nous ayons une certaine somme d'argent pour financer une mission scientifique qui sera composée d'archéologues, mais aussi d'historiens, de certains bénévoles, justement, pour que nous puissions identifier ces parcours-là. Mais bon, comme on l'a dit, le faire sans un soutien de certaines autorités, pas forcément toutes, serait assez compliqué parce que bon, vous aurez besoin d'autorisation et consorts
pour aller sur certains sites, mais aussi pour faire ce travail-là en sécurité. Alors, c'est comme ça que nous faisons d'abord un travail de plaidoyer, mais aussi un travail de pédagogie pour qu'ils comprennent l'importance. Et nous pensons qu'avec la vulgarisation, la forte vulgarisation que nous allons faire lors de la conférence, permettra justement de mobiliser du monde derrière un tel projet, parce que nous avons vraiment l'idée de frapper dur, d'aller vers les médias, que ce soit communautaire, parce qu'on ne va pas seulement se contenter de Kinshasa. Nous avons ciblé par exemple les radios communautaires dans certains coins du pays. Seules les radios communautaires permettent au peuple, aux gens d'avoir de l'information. Et nous avons, par exemple, qui est chargé de notre communication, a déjà répertorié près de 70 radios communautaires, même si nous n'avons pas travaillé avec toutes ces radios, mais nous avons ciblé des radios assez connues communautaires qui permettront que l'info ne soit pas seulement donnée au niveau des grandes villes, mais aussi au niveau des villages, pour qu'eux aussi comprennent qu'ils valent quelque chose. Donc, nous avons justement en train de travailler pour que, avant la première randonnée que nous allons organiser, qu'il y ait des choses bien définies, un circuit bien défini qui permettra qui devront visiter. D'accord. Donc, pour résumer, il faut effectivement que les pouvoirs publics, à défaut peut-être d'être impliqués, au moins comprennent l'importance du sujet sur lequel on est en train de travailler, comprennent qu'effectivement, grâce au tourisme de mémoire, parce que ces Afro-Américains-là, quand ils vont venir dans nos pays, un peu comme ça se passe ailleurs, hein, ce sont des consommateurs, ils vont emmener de la valeur, ils vont créer des emplois. Donc, quelque part, ce tourisme de mémoire-là, s'il se développe en Afrique centrale, j'ai envie de dire, les premières bénéficiaires, ça va être les populations. Et si les populations sont contentes, ce sont les politiques aussi, d'une façon ou d'une autre, qui vont en profiter. Donc, effectivement, on est bien conscient que ce tourisme-là, de mémoire, mais comme tous les autres tourisme ne peuvent pas se développer si les pouvoirs publics ne créent pas les conditions. Donc, effectivement, j'ai bien compris que le premier travail qu'il faut faire, c'est effectivement un travail de sensibilisation de la société congolaise en général, des sociétés congolaises en général, mais également des pouvoirs publics pour qu'ils comprennent l'importance, effectivement, des enjeux et que derrière, on s'organise, nous, en tant qu'entrepreneurs, en tant que scientifiques, pour élaborer des circuits sur lesquels, en fonction des travaux d'Igor ou d'autres, où on va justement leur montrer les choses qui vont effectivement faire en sorte qu'ils puissent, eux, se retrouver, qu'ils puissent justifier le fait qu'ils payent un séjour à 6 000 euros ou 10 000 euros. Voilà. Donc, merci beaucoup, Eric. Juste une dernière question, un peu comme pour les autres. Est-ce que tu penses, à la fin de cet échange, qu'il est possible de développer le tourisme de mémoire en Afrique centrale et en RDC? Très rapidement, pour finir. Oui, si je ne le croyais pas, je ne serais pas à Kinshasa. Ce que nous voulons plutôt, ce que je souhaite plutôt, c'est une certaine solidarité autour de cette question. Je vis dans la société anglophone où les gens sont prompts à cerner les choses et à agir. S'ils ne peuvent pas, ils prennent un numéro, ils te disent « tu peux trouver une solution auprès de telle personne ». Alors que dans la société francophone, c'est des fois assez lourd à prendre. Même lorsque vous montrez l'intérêt, vous dites « mais nous, on gagne quoi ?» Alors que voilà, c'est assez lourd, mais il faudrait… ceux qui comprennent déjà, si nous qui comprenons les choses, nous pouvons nous mettre ensemble et dire « allons-y, faisons quelque chose », je crois que ça sera intéressant. Parce que, pour terminer, je dirais, c'est quand même assez anormal que près de 45% d'esclaves qui sont allés un peu partout dans le monde viennent du Congo, mais lorsqu'on parle d'esclavage, qu'on parle du Sénégal, qu'on parle du Bénin, qu'on parle des autres. C'est quand même assez choquant. Et moi, en tant que Congolais, je ne peux plus continuer à supporter ce genre de choses. Surtout que je me retrouve en face des gens qui me disent, qui me posent des questions auxquelles je n'ai pas de réponse. Donc, je crois qu'il nous faut ensemble
nous mettre quelque part, celui qui a une information, un contact, celui qui pense qu'il peut faire quelque chose, qu'ils viennent qu'on se mette ensemble pour travailler. Enfin, je dirais, je vis aux États-Unis, mais en même temps, je m'appuie sur ceux qui, des scientifiques, mais aussi des organismes locaux, pour qu'ensemble, eux qui sont sur le terrain, que nous puissions travailler ensemble. Donc, il n'y a pas que ma fondation qui est là dans ce projet, mais nous avons aussi créé cette synergie où des organisations qui travaillent dans, plus ou moins dans ces domaines-là puissent venir avec nous ensemble, pas seulement celui de la RDC, mais aussi du groupe Brazza, et on espère aussi trouver d'autres personnes du côté de l'Angola pour qu'ensemble, qu'on fasse quelque chose. On ne peut pas continuer à voir l'histoire être falsifiée et de la sorte. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut connaître les dates de la conférence? Est-ce que ça déjà, les dates sont déjà arrêtées ou c'est encore en pourparler? La conférence aura lieu le vendredi 21 et le samedi 22 mai. D'accord. À Kinshasa, à la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères à Kinshasa, Gombe. Voilà. Vous pouvez traverser le matin de Brazzaville, ceux qui sont à Brazzaville, vous pouvez prendre le premier hors-bord le matin et vous descendez à Beach Ngobila et prenez un taxi, vous êtes là en 20 minutes. Oui, d'accord. Alors, je parle au nom de Ziana TV, mais Ziana TV qui est une chaîne de la diaspora, surtout de la RDC, enfin du Congo Brazzaville, sera, je parle au nom de son promoteur qui nous écoute, donc ça sera avec un grand plaisir que s'il y a possibilité effectivement de pouvoir couvrir la manifestation, qu'on la couvrira, parce que c'est des sujets effectivement qu'on porte avec Sir Makosso depuis plusieurs années, donc ça sera avec plaisir qu'effectivement on pourra faire le partenariat si c'est possible, pour que effectivement les sujets qui vont être traités lors de la conférence. Et je pense que vous êtes aussi en négociation avec une structure qui s'appelle Visiter le Congo pour essayer d'organiser une journée sur Brazzaville, sur la piste des esclaves de Brazzaville. Donc je pense qu'il n'y a pas de raison que ça ne puisse pas marcher. Au contraire, il faut y aller parce que c'est à nous de nous bouger. Les autres ne sont pas plus forts que nous, ne sont pas plus intelligents que nous. Les Sénégalais ont pu valoriser leur patrimoine, les Béninois et les Ghanéens. Donc il n'y a pas de raison que nous, on n'y arrive pas. Et je pense que c'est en nous mettant tous ensemble, en nous serrant le coude, qu'on va y arriver. Donc, Eric, je te remercie. Ça sera avec plaisir, avec Ziana TV. Je tiens aussi à dire que la conférence sera retransmise en direct sur deux radios en Martinique. Parce qu'ils veulent justement, voilà. Donc, Ziana TV sera le troisième média qui va diffuser cela en dehors du Congo. Mais on a aussi différents partenaires qui sont en train de nous contacter pour voir s'il y a lieu que ça soit carrément diffusé en direct à la télévision. Donc, on est en train vraiment de travailler parce que l'essentiel, c'est vraiment que les gens de partout soient en contact avec la vraie information. Et ça sera un objectif, notre objectif principal. Très bien. Bon, merci beaucoup, Eric. Donc, au mois prochain, lors de cette belle conférence, effectivement, où on continuera justement à parler de la façon dont on peut valoriser notre incroyable patrimoine, non seulement autour de la traite négrière et l'esclavage, mais aussi autour du Royaume Congo et tout le patrimoine que nous avons, qui n'est pas suffisamment mis en valeur pour créer de la richesse et créer des emplois et de la richesse qu'ont besoin aujourd'hui nos compatriotes qui souffrent énormément. Merci beaucoup et je passe la main à Sir Makosso à la régie. Une petite note de transition pour récupérer notre prochaine invitée qui est Sonia Domingos. On sera en direct en Angola. Allez, à tout de suite. Fatigué d'aller au marché, pas de souci. Madame Zola, on s'efforce, 100% alimentation.
vous avez poissonnerie, boucherie, des légumes, l'épicerie, des jus bio et un restaurant. Il vous suffit de contacter le 06 804 70 58, oui, vous êtes livré. Situé à Sirfumu, Arrêt Diallo, à côté de l'église Tabernacle. Avec Madame Zola, Koudia Kilimbote. Bonsoir, bonsoir, vous êtes sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas, et vous êtes en train de suivre la conférence sur le tourisme de mémoire. Est-il possible de développer le tourisme de mémoire en Afrique centrale? Est-ce qu'il y a le potentiel? Est-ce qu'on peut intéresser les afro-descendants et pouvoir attirer les touristes en Afrique centrale? Donc, notre prochain invité, c'est Sonia Domingos. Alors, Sonia, qui est en direct dans une province en Angola, a un petit problème avec sa caméra. Donc, on ne pourra pas la voir, sauf effectivement sa photo, mais on pourra l'entendre. Et le plus intéressant, je pense que c'est ce qu'elle a à dire, et je vous assure qu'elle a beaucoup de choses intéressantes à dire. Donc, malheureusement, on ne pourra pas la voir, un peu comme ça a été le cas avec Hugor et avec Eric. Mais voilà, on va commencer cet entretien avec elle. Bonsoir, Sonia. Bonsoir Guillaume, merci pour l'invitation. C'est moi qui te remercie. Bon, il n'y a pas l'image, mais en tout cas, le son, il est impeccable. Donc, on t'entend très bien. J'espère effectivement que les internautes aussi qui nous suivent t'entendent. Je pense que c'est le cas. Donc, on va effectivement, en s'excusant pour ce petit souci technique, c'est aussi les aléas du direct. Mais ça ne va pas nous empêcher justement d'avoir notre entretien. Tu es la seule femme du plateau. On aurait bien voulu te faire passer en premier, mais on ne nous accuse pas de ne pas être galant, je le dis. On aurait peut-être te faire passer en premier, mais on a essayé effectivement d'abord de régler ce petit problème technique. On n'a pas pu le régler complètement, mais le plus important, c'est ce que je disais, c'est qu'effectivement qu'on puisse t'entendre. Donc, même question que pour les autres. Est-ce que tu peux te présenter très rapidement auprès des internautes qui nous suivent? D'accord. Bonsoir à tout le monde. Je m'appelle Sonia da Silva Domingos Pom. Je suis historienne archéologue, professeure des universités et anthropologue aussi. D'accord. Très bien. Alors, j'ai juste envie de te poser une question avant de continuer. Pourquoi est-ce qu'une une dame... Une femme, enfin, c'est un peu macho ce que je veux dire, mais bon, je la pose quand même. Pourquoi est-ce que tu t'es justement orientée vers l'archéologie et l'histoire alors que c'est un des métiers, malheureusement, où on ne trouve pas beaucoup de femmes? Pourquoi tu t'es intéressée à ce métier-là? D'accord. Bon, depuis toute petite que je me suis intéressée à l'archéologie, j'avais 5 ans. Un peu bizarre, mais bon, c'était à 5 ans, je me retrouvais en Russie, dans une mission diplomatique de mon père. Et bon, il n'y avait pas de livres pour moi, il n'y avait pas d'école pour moi, j'avais 4 ans, je restais à la maison. Et les gens commençaient à nous prêter des livres. Et entre ces livres, bon, comme c'était des adultes qui le prêtaient, il y avait des livres d'archéologie. Et en regardant les images, voir les archéologues sur un carré en train de fouiller à la pelle, bon, je me suis intéressée. J'ai gardé cette image dans ma mémoire. Et quand on me demandait ce que je voulais être, tout le monde était étonné que la réponse était « je voulais être archéologue ». On a essayé de me faire désister de l'idée, voilà, changer d'idée, merci. Mais non. Jusqu'à l'université, la première année, j'ai fait d'abord une licence au Portugal en histoire, archéologie, spécialité archéologie. Ma maman est même venue sur place pour essayer de me dissuader de l'idée. Et passant en deuxième, troisième année, bon, les gens commençaient à voir que c'était sérieux. Et j'ai continué jusqu'au doctorat que j'ai fait à Toulouse, à l'université de au Mirail, aujourd'hui Jean Jaurès, à Toulouse. Bon, alors déjà, à entendre ce que tu dis sur le fait que tes parents ont essayé de te dissuader de faire le métier d'archéologue,
Donc, ça donne en partie la réponse à ma question, celle que je vais te poser. Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que le métier d'archéologue et d'historien, c'est des métiers qui sont considérés, qui sont valorisés en Afrique centrale et en particulier en Afrique en général? Non, c'est pas valorisé du tout, du tout. C'est pour ça que j'ai fait des études poussées, justement, parce que je n'avais pas d'emploi. J'ai terminé la licence, je suis revenue en Angola, je n'avais pas de boulot. Mmh. On a cherché partout et là, la solution, c'était de reprendre les études et aller en France. Déjà, dans les concours publics, il n'y a jamais la mention histoire ou archéologie, jamais. Mmh. Il faut ouvrir des portes, frapper partout pour pouvoir s'il y a une insertion. Par exemple, en ce moment où je travaille, c'est l'Institut national de recherche scientifique. Mmh. Il y a eu un concours public en 2012 et il n'y avait pas la mention archéologie. J'ai dû parler avec le directeur, j'ai fait le concours comme tout le monde et j'ai été acceptée. Là, un peu, mais c'est pas tout le monde qui a cette chance. Il faut être française, il faut se battre pour faire quelque chose. D'accord. N'empêche que ta détermination et cette vocation que tu as pour l'archéologie t'a emmené quand même à travailler sur un projet que moi je considère comme étant un projet extraordinaire. Et il s'agit de l'inscription de Mbanza Kongo, l'ancienne capitale du Royaume Congo au patrimoine universel de l'UNESCO. Est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que tu as fait pour te retrouver dans ce projet et quel est le rôle que tu as occupé? Vraiment, c'est un projet exceptionnel. C'est beaucoup de chance. Mmh. Et ça, grâce à Dieu, grâce à mes prières, les prières de ma famille pour que je ne sois pas quelqu'un de diplômé dans un coin à ne rien faire ou malheureuse parce que, enfin, j'ai pas trouvé ma place dans la société. Je pouvais pas servir mon pays autrement que sur l'archéologie. Je ne me voyais pas dans un autre domaine. Étant encore étudiante, j'étais invitée à la première table ronde sur Mbanza Kongo, candidate au patrimoine de l'UNESCO. Donc, le mentor de ce projet, qui est décédé en 2008, un an après cette table ronde, docteur Emmanuel Stevich, m'a invité parce que j'avais déjà quelques contacts avec l'Institut du patrimoine culturel d'Angola. Il m'a invité pour présenter un paper dans cette table ronde, pour cette table ronde. Je me suis rendue sur place. Il m'a fait visiter le site avec un autre archéologue français. Et l'objectif, bon, il y avait tout ce monde, des grandes personnes du gouvernement angolais, de l'UNESCO, le directeur général, directeur pour le patrimoine. Et tout ce monde, bon, c'était impressionnant pour une étudiante, mais je me suis dit, je vais foncer, je dois faire partie de cette équipe. Et lors de ma présentation, bon, tout le monde était content. J'ai présenté une communication sur l'archéologie préventive. C'était déjà un bout de chemin pour commencer à faire les travaux archéologiques parce que ce projet a commencé en... Là, on est en quelle année? En 2007. 2004, en 2007, 2007. Avec le mentor de ce projet, bon, on voulait continuer et après sa mort, bon, les choses sont tombées dans l'eau, il n'y avait plus d'activité. Une fois que j'ai terminé ma thèse, je suis revenue en Angola, j'ai fait le concours public, je suis rentrée au ministère de la Culture
Et quel est mon étonnement? Le ministre à l'époque voulait relancer ce projet. Elle a relancé le projet, elle m'a nommée en tant que coordinatrice scientifique du projet Mbanza Congo, ville à déterrer pour préserver. C'est là que tout a commencé jusqu'à. Donc, en fait, de la petite qui avait vu une image d'archéologie et qui a voulu en faire, malgré les oppositions de la société, des parents, qui voulait absolument devenir archéologue, réussit avec la détermination à devenir archéologue et en fait se retrouve à la tête d'un des projets, je pense, d'archéologie, l'un des projets les plus importants, en fait, de l'Afrique centrale sur les recherches dans Mbanza Congo, c'est ça? Exact, exact. Voilà. Alors, qu'est-ce qui a été en fait à l'initiative justement de l'inscription de Mbanza Congo au patrimoine universel de l'UNESCO? C'est l'Angola ou bien c'est l'UNESCO qui a voulu cela? C'est l'Angola. Le gouvernement angolais a accepté l'idée de ce chercheur Emmanuel Stevich, docteur en histoire. Et après cela, vu que l'UNESCO est intéressé, ils ont déposé le dossier à l'UNESCO. Ça a été bien accepté. Bon, je voulais dire aussi que c'est un projet autofinancé par l'Angola, complètement à 100%, oui. On a eu quelques aides du Fonds pour le patrimoine mondial africain, qui a son siège en Afrique du Sud, mais du début jusqu'à la fin, le projet a été autofinancé par le gouvernement angolais. Et on peut savoir combien ça a coûté à peu près? Environ 300 000 dollars, 300 000 dollars. Sans le coût pour le paiement des chercheurs, des étudiants, le logement, transport. Et ça a duré combien de temps? Donc de 2007 à combien? 2007 jusqu'en 2017 en fait, l'inscription. C'est Non, on a fini commencé en 2009. Le projet en soi a été conçu en 1984 et tout le reste a commencé en 2007, avec la première table ronde internationale. Bon, au total, ça fait 10 ans et moi, j'ai commencé en 2009 jusqu'à 2017. Très bien. Est-ce que vous avez connu des périodes difficiles, des périodes de doute? Est-ce que ça a été un long fleuve tranquille ou bien il a fallu effectivement beaucoup travailler, faire preuve de détermination pour réussir à inscrire Mbanza Congo au patrimoine universitaire de l'UNESCO? Comme tout projet de grande envergure comme celui-ci, on a eu beaucoup de difficultés, beaucoup, beaucoup, vraiment beaucoup de difficultés, mais on a su faire Parce que face à vous avez faire été face soutenu par le gouvernement, par l'administration angolaise. Le groupe, le comité scientifique était constitué de combien de gens déjà? Le comité de scientifiques et de quelle nationalité? Que des Angolais ou des étrangers aussi? On associait l'université de Yaoundé 1 avec deux professeurs et quatre élèves de master et de doctorat. Il y avait aussi l'université de Coimbra au Portugal avec quatre élèves aussi. Et puis on associait le musée d'archéologie de Benguela, en Angola, avec une dizaine de chercheurs, de techniciens de fouilles, qui sont formés par l'université, par la Sorbonne. Et quelque chose de. C'était une expérience hors pair. On n'a jamais vu. Désolé. Pas de souci. C'était une expérience hors pair. Franchement, on n'a jamais vu autant d'archéologues sur le territoire angolais comme à cette époque-là. D'accord. Donc une trentaine de personnes, à peu près une cinquantaine, non? Cinquantaine, il y avait l'université Agostinho Neto aussi avec ses architectes.
Il y avait plusieurs domaines d'études, l'archéologie, l'anthropologie, l'histoire, l'architecture, les juristes. C'est un peu comme ce que disait Igor tout à l'heure, en fait, sur les travaux de Congo King, où il y avait en fait des fouilles multidisciplinaires. En fait, il y avait un travail multidisciplinaire, c'est ça. Exactement. À la fin, ils sont venus nous voir, docteur Pierre Demaret. Et Kuhn, un chercheur, les chercheurs belges, ils sont venus nous voir pour les interprétations. Oui, c'était une grande, grande équipe, mais on a beaucoup compté avec l'université de Yaoundé 1, professeur Raymond Assombang et professeur Christophe Mbida, qui sont les directeurs aujourd'hui, directeurs du musée du Cameroun et le directeur pour le patrimoine culturel du Cameroun. On peut dire que c'était un projet sous-régional, quoi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont participé. Exact. Alors, concrètement, la même question pour Igor, qu'est-ce que vous avez trouvé? Qu'est-ce que vous avez trouvé pendant ces fouilles archéologiques et qu'est-ce que vous en avez fait? Voilà. Pendant les fouilles archéologiques, on a ciblé les sites qui étaient connus déjà par la population avec des radars terrestres qui ont permis de voir des structures à plus de 7 mètres de profondeur du sol. Okay. On a profité de cette technologie pour aller plus vite. Parce qu'on avait des timings, un projet financé par l'État, il y avait beaucoup de choses en jeu, il fallait faire vite. Du coup, c'était un des instruments qui nous ont valu pour accélérer le travail de terrain. On a pu fouiller sept sites, à citer le Kulumbimbi, l'ancienne cathédrale, la première cathédrale située au sud du Sahara, le cimetière des rois, un cimetière dans un quartier Alvaro Buta, un ancien cimetière dont on a trouvé des... par les datations, il s'agit d'un cimetière qui date du XVIIe siècle. On a fouillé aussi le palais royal, le Lumbu. On a fouillé le site d'embaumage du corps des rois. Du coup, deux cimetières et cinq sites. À savoir aussi le site, le collège des Capucins qui se trouve dans la nouvelle cathédrale, le siège de l'église catholique en Banza Congo. Plus le palais royal. La datation la plus ancienne, c'est du XIIIe siècle, XIIIe, XIVe. Un peu comme ce que disait Igor tout à l'heure. Hein. Oui. Et fait que la datation avancée par les Européens, que le royaume du Congo a eu son apogée, a été fondé au 15e siècle. Cette nouvelle datation, c'est une nouveauté qui refute toutes les autres avancées, tous les écrits de la bibliographie qu'on retrouve en Europe et ailleurs. En un mot, en fait, le royaume du Congo serait postérieur au 15e siècle, c'est-à-dire que ça existait avant... les dates que nous ont toujours données les Occidentaux. C'est ça que vous êtes en train de dire. Exact. Et nous croyons qu'il y a des dates encore plus reculées. Une fois que les historiens avancent que, en tant que, pas en tant que royaume, mais en tant que une identité, identité Congo, on peut avancer la date du 8e siècle après le Christ. D'accord. Entre le 5e et le 8e siècle après le Christ. D'accord. C'est-à-dire plusieurs villages, plusieurs entités
de cette région qui après ont été rassemblés par le Nimyalukeni, par le Ntontela. Ntontela, ça veut dire unificateur. Il a unifié mm-hmm. tous ces territoires pour alors former le royaume du Congo. Mm-hmm. Et on avance les dates entre le 5e et le 8e siècle après le Christ. Mm-hmm. D'accord. C'est intéressant ce que vous me dites, Sonia. Déjà, avant de continuer cette émission, en vous écoutant, je me rappelle ce qu'avait dit lors d'une de ses interventions le défunt syndicat de Colomb. Je me rappelle plus très bien dans quels termes il avait dit, mais en fait, il avait rapporté les paroles d'une chanteuse angolaise qui s'était rendue là où on a découvert l'embouchure de Diego Kao, l'embouchure du peuple Kogo. Oui. Et cette personne avait dit, ici a commencé notre histoire. Alors, le syndicat de Colo était choqué en disant, comment est-ce que, en Afrique, on continue encore à croire que l'histoire du continent, les Africains continuent encore à croire que l'histoire du continent a commencé le jour où les Portugais ont débarqué sur notre continent. Ce que vous nous dites, c'est quand même extraordinaire parce que beaucoup de jeunes Africains pensent qu'on n'a pas d'histoire. Il y a un président africain, un président français que je ne citerai pas, qui a tenu un discours à Dakar où il disait que l'Afrique n'est pas assez rentrée dans l'histoire, alors que vous nous dites des choses extraordinaires, des choses que malheureusement, beaucoup d'Africains, beaucoup des enfants aujourd'hui qui naissent en Afrique centrale ne connaissent pas. Moi, la question que je voudrais vous poser, c'est est-ce que la société angolaise, est-ce que le gouvernement angolais est conscient en fait du potentiel, de la valeur des travaux archéologiques en général et des travaux archéologiques que vous avez effectués à Mazakongo? Je prenais l'exemple tout à l'heure de ce que représente aujourd'hui le patrimoine matériel qu'il y a autour des pyramides et des rois d'Égypte. C'est quelque chose qui rapporte énormément d'argent et qui constitue un soft power extraordinaire pour un pays comme l'Égypte. D'accord? Il y a les touristes, c'est vrai, mais il y a toute la partie échange qui sont faits avec les musées du monde entier. Il y a des expositions qui sont organisées dans le monde entier sur tout un camant, sur les rois d'Égypte. Est-ce que la société angolaise, est-ce que le gouvernement angolais est conscient que ce que vous avez découvert, c'est un trésor inestimable? Oui, le gouvernement angolais est bien conscient, tellement que ce projet a été totalement financé, comme je l'ai dit tout à l'heure, financé par le gouvernement. On a eu le soutien de la présidence de la République. Il y a beaucoup de projets de loi qui sont passés. On a ratifié beaucoup de conventions culturelles de l'UNESCO, chose qui n'était pas faite. Beaucoup de lois sur la protection du patrimoine, des projets de conservation et de restauration de patrimoine sur place, ce qui s'est étendu aussi pour d'autres zones du pays, à l'image de Mbanza-Kongo. Par rapport à notre histoire, oui, il y a beaucoup il y a la fausse image que notre histoire commence à partir de l'arrivée de Diogo Kao à l'embouchure du fleuve Zaïre. Mais avec ce projet Mbanza-Kongo, nous avons pu avancer d'autres dates, tellement que la date de commémoration de la ville a été changé. Mm-hmm. Nous avons donné les arguments suffisamment forts aux autorités angolaises pour changer cette date. Au lieu de 500 ans, c'est beaucoup plus. Tellement que Mbanza-Kongo, Mbanza, ça veut dire ville. C'est une mm-hmm. grande cité. En basse, c'était une grande cité. Et alors, comment dater cette Mbanza? En Kikongo veut dire ville à partir de l'arrivée des Portugais. C'était impossible. Et avec
avec tout le matériel archéologique, avec les datations par carbone 14 qui ont été faites dans le meilleur laboratoire de ces 14 aux États-Unis, à Miami. Bon, ces données refutaient automatiquement que la ville était plus ancienne que ce qu'on fêtait jusqu'au début à partir de notre indépendance. Ou même avant, à l'époque coloniale, on fêtait déjà. Mais c'était. Enfin, on a pu corriger cette faute historique. Et aujourd'hui, en fait, à l'époque. Enfin, une date plus ancienne que celle avancée antérieurement. Je voulais aussi parler de ce que vous avez dit, le syndicat d'Okolo nous avait contacté aussi pour mettre en valeur le patrimoine angolais, surtout l'art en présence, tous les artistes. Il y a beaucoup de talents en Banza-Congo, non seulement en Banza-Congo, mais dans les autres pays qui faisaient partie du royaume du Congo. C'est un art qui est exceptionnel. On voit ça tout à l'heure, vous parlez de la Chine, on voit ça jusqu'en Chine. Le directeur du musée d'art de Chine a fait une publication où il y a beaucoup d'objets Congo partout dans le monde, notamment aux États-Unis, à Tervuren. Et il a présenté d'une façon à valoriser le patrimoine, l'art Congo. Tout ce patrimoine immatériel qu'on peut voir malheureusement pas en Angola, mais ailleurs dans le monde, on a ce vaste patrimoine immatériel et matériel du Congo, ce qui montre son ampleur, sa grandeur. Tout à fait. Alors, est-ce que, après l'inscription de Banza-Congo au patrimoine universitaire de l'UNESCO, quelle est en fait la suite du processus? Qu'est-ce qui doit se passer après l'inscription qui a été en 2019? Il se passe quoi après? Après 2017, nous avons pu organiser un festival, le Festi Congo, pour faire venir des touristes de partout dans le monde. Mais c'est pas encore, on n'a pas encore atteint le potentiel touristique qu'on voulait. Et on a beaucoup d'atouts sur le terrain. On ne fait pas comme les Ghanéens qui ont la porte du non-retour. Ils ont fait construire des structures. Ils attribuent des noms aux anciens, aux Afro-Américains. Aux Afro-Américains. Il y a des cérémonies. Bon, pour leur retour et tout. Mais est-ce que c'est possible ça en Banza-Congo? En Banza-Congo, on a d'autres cérémonies qui se passent au palais royal. On a toujours les représentants du roi. Et c'est pas un roi, mais c'est le chef traditionnel où sont représentés les douze clans Congo. Et on croit bien que ces 12 clans sont représentés dans les 4 pays. Mais on a cherché à faire représenter par des recherches, et depuis longtemps, je ne sais même plus depuis combien d'années, ces représentants des 12 clans Congo sont présents. Il y a le tribunal qui se passe tous les mercredis. Il y a des cérémonies autour de l'arbre sacré, l'arbre devant le palais royal où on accueille les visiteurs. Il y a beaucoup de manifestations culturelles. Il y a une cérémonie qui se fait au cimetière des rois pour accueillir l'étranger, pour demander même l'autorisation pour faire les recherches scientifiques. Tout ça se fait, ça se vit. C'est une ville qui est bien vivante.
Et c'est possible de quiconque qui va, si vous allez aujourd'hui en Bazakong, vous allez voir ça. On vit ce patrimoine, on vit cette culture au quotidien. Très bien. La dernière fois, je suis venu sur RFI, quand vous êtes passé dans l'émission de Kiambokolo, vous avez parlé que lors de vos fouilles archéologiques, vous avez découvert le corps d'une femme. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Voilà, c'est notre bien le plus précieux. Bon, de mon point de vue, le plus précieux, c'est cette découverte qui a été faite au cœur de la cathédrale Koulombimbi. Et déjà, Koulombimbi, c'est pas que la cathédrale construite à l'époque où les capucins, les prêtres sont venus en Bazakong pour qu'on ait pu changer notre religion, mais c'était aussi un site sacré, un endroit où un sacerdote, bon, on ne sait plus quel était son nom, il invoquait déjà les esprits des ancêtres. Et c'est là où se passaient les cérémonies religieuses Congo. Et c'est là, et nous savons bien que quand les religieux européens arrivent en Afrique ou même en Amérique, la première chose, c'est tuer la culture locale en implantant ou en faisant construire les édifices religieux sur le même endroit où on faisait déjà les cérémonies religieuses. Et le Congo n'a pas perdu ce repère. Et c'est là où on faisait enterrer aussi nos morts. Et, c'est le cas de cette jeune fille d'environ 22 ans qui a été enterrée avec beaucoup de parures, des perles, des colliers, des bracelets sur les poignets et les pieds. On a retrouvé aussi une bague sur elle et surtout un pagne, un tissu en raffia enveloppé sur ses pieds et par rapport à l'orientation qui est son corps. Elle ne pouvait faire partie que d'un rang élevé de l'aristocratie Congo. De l'aristocratie Congo. Le rang le plus élevé de la société Congo. Une princesse, on ne sait pas, une reine. Mais c'était vraiment une position privilégiée dans ce site. On a trouvé d'autres enterrements, mais c'est pas dans cette position privilégiée. Il y a beaucoup d'enfants, des bébés de 12 mois, de 14 mois, 16 mois, jusqu'à 18 mois. Mais hors cathédrale, elle était vraiment dans la cathédrale. Et on pense à faire une petite structure en vitre et remettre le squelette en place. Avec tout le matériel immobilier qui a été retrouvé pour que le visiteur puisse voir dans quelles conditions il était enterré. On a pu aussi voir un parallèle. Oui, vous pouvez continuer. Non, vas-y, continue. On a fait des études plus poussées par rapport à ça et on a vu un parallèle à Bahia, au Brésil, dans une cathédrale également. Où il y a toutes ces parures, parce que tout ce patrimoine a été apporté de l'autre côté de l'Atlantique. On sait bien que ce qui faisait vivre la religion de l'autre côté, c'était les esclaves. Il y a eu un synchronisme religieux qui se voit jusqu'à aujourd'hui. Quand on va à Bahia, on voit les gens habillés à la façon africaine, avec les colliers, avec toutes les manifestations, je dirais les danses, ils chantent encore en Congo. C'est un mélange
de Wolof, de Kikongo, de Yoruba, enfin plusieurs langues africaines qui se sont mélangées et qui recréent tout ce patrimoine africain. Et c'est très beau, c'est très beau à, quand on parle de ça avec les autres chercheurs, on peut voir un petit peu de notre patrimoine. Il y a le mélange avec le Nigeria, le Sénégal, mais tout le monde retrouve un peu de son patrimoine de l'autre côté de l'Atlantique. Très bien. Et ces objets-là, tous ces objets que vous avez découverts, là, sont gardés où? Est-ce que vous avez le même problème qu'en RDC où vous ne savez pas où les mettre? On n'a pas ce problème. Sur Mbaza Kongo, on a une ancienne prison des années 50 du siècle 20 qui a été restaurée pour y mettre tous ces objets archéologiques. Quelques-uns sont partis en Europe pour des études plus poussées. On a fait des examens de terminoluminescence et pour voir un peu de quel matériel elles étaient fabriquées. Mais sinon, elles sont déposées elles sont gardées, conservées en Mbaza Kongo et à Luanda, tout ça pour des études. Il y a même des étudiants, nos étudiants qui ont fait des thèses et on a pu sortir 4 articles scientifiques par rapport à ce matériel. Alors, le temps passe vite, Sonia. Oui, donc, on arrive à la fin de cet entretien qui a été super intéressant. Deux dernières questions. Qu'est-ce qu'on peut aujourd'hui, si demain on doit vendre la destination de Mbaza Kongo aux Afro-Américains, aux Afro-descendants, qu'est-ce qu'on peut mettre en avant? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut mettre en avant qui vont faire en sorte que les gens vont avoir envie de venir à Mbaza Kongo? Déjà, c'est la spiritualité Congo. Ça, c'est un des atouts. Et puis, tous les sites archéologiques qu'on a pu retrouver. Il y a aussi de l'art rupestre dans les environs. Il y a beaucoup de manifestations culturelles qui se font en ville. Le patrimoine est très vivant, les gens sont accueillants, il y a des structures hôtelières déjà montées, il y a de bonnes routes, une bonne gastronomie, il y a tout un appareil déjà monté pour recevoir ces touristes. On a même, il y a 2 mois, on a fait une live pour parler de la possibilité d'attribuer la nationalité angolaise aux afro-descendants. C'est quelque chose à étudier. On va essayer avec les diplomates et des juristes de voir comment ça peut se passer. C'est des choses qui se font déjà au Ghana aujourd'hui, ça se fait au Gabon. Ils ont donné la nationalité à 2 stars américaines, donc pourquoi pas en Afrique centrale. Alors, dernière question pour terminer l'entretien. Est-ce que pour toi, la même question que pour les 3 précédents, est-ce que tu penses qu'il est possible de développer du tourisme de mémoire en Afrique centrale? Je pense que oui. Si bien qu'au début, on a juste pensé au tourisme religieux, scientifique, culturel et écologique. Et le tourisme de mémoire, on n'avait pas pensé à l'époque, mais c'est quelque chose qui peut se faire. On va travailler sur ça avec votre aide de tout le monde, tous ceux qui sont intéressés par ce tourisme. On a déjà avec Michael, des contacts aux États-Unis pour qu'ils viennent. C'est déjà autorisé par les autorités angolaises. C'est juste la pandémie du COVID qui a empêché que les gens viennent. Mais sinon, on est prêt à les recevoir. Il y a beaucoup de choses encore à faire. Tout n'est pas encore en place. Il y a peut-être des choses qui nous échappent. Mais avec cette visite, on va pouvoir corriger
certaines choses qu'on n'a pas pensé. C'est quelque chose de nouveau pour nous. Du coup, on ne connaît pas tout. Et on peut améliorer les conditions de réception de tous ces gens, qui sont les bienvenus d'ailleurs. Et le chef des autorités traditionnelles aussi est au courant et il veut bien les recevoir pour les tests ADN. Ils sont prêts à faire des tests pour savoir si ces afro-descendants qui vont venir sont apparentés ou pas à eux. Très bien. Merci beaucoup, Sonia, pour cet entretien. Moi, je comprends tout simplement que le potentiel est immense, non seulement au niveau de Mbanza Congo, mais sur tout l'Angola et toute l'Afrique centrale. Que les éléments sont là, les atouts sont là. Comme tu as su le dire, l'atout le plus important, et je pense que Eric l'a dit aussi tout à l'heure, c'est cette partie immatérielle. Les gens ne vont pas venir parce qu'il y a des vestiges, mais c'est surtout parce qu'il y a cette connexion qui est très importante, parce qu'ils ont gardé des noms, ils ont gardé des traditions, ils ont gardé des danses, ils ont gardé des noms, des identités culturelles qui font que cet héritage, ce patrimoine que tous ces Congos, tous ces Africains qui sont partis dans les Amériques, dans la Caraïbe ou les Antilles, ont légué à leurs descendants, qui font que quand ils se retrouvent sur le territoire d'Afrique centrale, il y a une connexion qui est une connexion qui est immédiate. Donc, en fait, j'ai envie de dire, il n'y a plus qu'à travailler, quoi. En fait, il faut bosser parce que toutes les matières sont là, toutes les conditions sont là pour que demain, effectivement, des territoires comme Banza Kongo ou bien Banza Nsundi ou ailleurs deviennent des lieux de pèlerinage où vont se venir des centaines de milliers, voire des millions d'afro-descendants sur les traces, sur la mémoire de leurs ancêtres. On te remercie, Sonia. Merci. C'est moi qui vous remercie. Pour cet entretien. Donc, on garde le contact. Okay. Il y a des fortes chances que moi, je me retrouve le mois prochain, en mai, en RDC, et j'essaierai peut-être, si Dieu le veut, de prendre la route. On m'a dit que c'était pas très loin pour venir à Banza Congo. Ce sera avec plaisir que je viendrai rendre une petite visite. Ah oui, on est prêt à te recevoir. Magnifique. Très bien. Avec plaisir. Bon. Très bien. Bon, beaucoup de courage et beaucoup de bonnes choses à Banza Congo, en Angola. Je sais que tu as beaucoup de boulot, notamment avec tes étudiants à l'université en Angola. Je ne sais plus laquelle c'est. J'espère qu'effectivement, ton parcours exceptionnel et ton travail exceptionnel, ta passion pour l'archéologie va faire des émules. Qu'il va y avoir de plus en plus, effectivement, de jeunes Angolaises, de jeunes Congolaises qui vont s'intéresser à ce travail d'archéologue. Est-ce qu'on en a besoin? On a besoin, justement, de rechercher notre histoire. Hein. Il ne faut pas que ça continue comme c'est depuis les indépendants, ou c'est d'autres qui écrivent l'histoire à notre place. On a les cerveaux pour, on sait lire, on sait écrire, on sait faire les recherches indispensables. Donc, on n'a plus besoin, on est suffisamment mature aujourd'hui. L'Afrique est suffisamment mature aujourd'hui pour travailler sur sa propre histoire et écrire son histoire à elle, et que ce ne soit pas les autres qui le fassent à leur place. Voilà, Patrice Lumumba avait déjà fait mention de ça. Dans sa dernière lettre à sa femme, il était en prison, il a fait mention de ça. Très bien. Bon, le moment est peut-être venu. OK. Très bien, merci beaucoup. Donc, je repasse la main à Sir Makosso en régie. Avant de passer à notre dernier invité qui est Moussemo Mbemba. Allez, à tout de suite. Faut pas blaguer des Ziana TV. Il y a pas de Ziana TV. La chaîne qui nous redonne de l'espoir. Ziana TV. C'est la chaîne qui nous accompagne au quotidien. Ziana TV. C'est la chaîne qui te dit vas-y, on avance. Allez, allez, on y va ensemble. Ziana TV. Faut pas blaguer des Ziana TV. Y a pas de. Bonsoir, c'est encore Guillaume Kouka. Donc, on entame la dernière ligne droite de notre conférence sur le tourisme de mémoire. En recevant notre dernier invité,
qui est Monsieur Lusemu Bemba, qui est le président de OMETAC, l'Organisation pour la mémoire et le tourisme en Afrique centrale. Monsieur Lusemu, Monsieur Bemba, bonjour. Bonsoir. Est-ce que tu peux te présenter très rapidement pour les internautes qui nous suivent, nous dire ce que tu es, quel est ton parcours et pourquoi est-ce que tu te retrouves ce soir ici avec nous à parler de tourisme de mémoire? Ah, on t'entend pas, ton micro. Je m'appelle donc Lusemu Mfundu Bemba. Je suis président de l'association OMETAC, donc Organisation pour la mémoire, l'éducation et le tourisme en Afrique centrale. Donc, principalement dans l'ancienne région du Royaume Congo, c'est-à-dire le Gabon, les deux Congos et l'Angola. Donc, je suis membre des Anneaux de la mémoire, qui travaille en étroite collaboration avec la Fondation pour la mémoire de la traite négrière et de ses abolitions, qui est basée à Nantes. Voilà pour plus ou moins ce que je fais actuellement. Donc, on a fait une conférence en 2019 à Brazzaville, en collaboration avec le professeur Arsène Franker Nganga, qui est actuellement aux États-Unis, et une amie à moi qui s'appelle Ada Anago Brown, qui est un tour opérateur privé basé aux États-Unis, mais originaire du Cameroun, qui fait déjà des voyages avec les Afro-descendants dans toute l'Afrique de l'Ouest. Donc, on s'est rencontrés et on a pu faire ce voyage à Brazzaville, donc pour parler de la traite négrière dans la région du bassin du Congo et pour pouvoir aller récupérer des échantillons ADN à la cour royale du Luango, dans le but de trouver des descendants ADN aux États-Unis. Donc voilà, et puis depuis, je travaille en étroite collaboration avec des Afro-Américains descendants du Congo, entre autres. Alors, moi, je sais, pour te connaître un peu, ça fait un bon bout de temps qu'on se connaît maintenant, je sais que tu es plutôt ce qu'on appelle un enfant de la diaspora, en tout cas de la diaspora congolaise de France. Qu'est-ce qui t'a amené justement à t'intéresser à cette histoire et à travailler justement sur la mémoire du Royaume Congo? Mais moi, je pense que j'ai toujours eu l'histoire dans, on va dire, dans le sang. C'est-à-dire, je me suis toujours intéressé à l'histoire, que ce soit d'un point de vue déjà à l'école, l'histoire de France, ou même en tant que chrétien, l'histoire biblique. Donc, je me suis toujours intéressé plus ou moins à l'histoire, à la géographie, tout ce qui touche de près aux sciences sociales, c'est-à-dire anthropologie, ethnologie, toutes ces histoires-là. Et donc, très tôt, même à l'adolescence, j'ai commencé à lire des livres, notamment un qui m'a beaucoup marqué, qui s'appelle « La vie quotidienne au Royaume Congo » de Georges Balandier. Et donc, j'ai commencé… Moi, je suis originaire du Congo-Brazzaville. J'ai commencé à lire ce livre, poser des questions à mes parents. « Mais est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu connais ça ?» Et ils étaient étonnés parce que pour eux, ils n'avaient pas appris ça à l'école. Et donc, moi, j'étais encore plus étonné qu'eux. Et puis, petit de fil en aiguille, j'ai commencé à lire des ouvrages et à me renseigner sur la question. Et j'ai vu qu'il y avait une vraie problématique, non seulement au Congo, donc du côté de la génération qui est au-dessus de nous, mais aussi au niveau de la diaspora. Encore pire au niveau de la diaspora, on va dire, plus ou moins. C'était très flou à l'époque. Maintenant, il y a quand même un travail qui est fait au niveau des réseaux sociaux. C'est un peu plus vulgarisé et banalisé, on va dire, mais il y a encore énormément de désinformations, de travail à faire par rapport à ce sujet. Voilà. Très bien. Alors, à ton avis, justement, quel est le potentiel ou comment est-ce qu'on pourrait justement valoriser en fait tout le patrimoine qui est autour du Royaume Congo? Qui ça peut intéresser? Est-ce que tu penses que ce patrimoine-là peut être mis en valeur comme certains pays d'Afrique centrale, d'Afrique de l'Ouest, comme le Ghana ou le Sénégal ou le Bénin arrive à le faire aujourd'hui? Est-ce que ça vaut quelque chose, cette mémoire justement du Royaume du Congo pour laquelle tu as développé une certaine passion et sur laquelle tu travailles depuis des années? Est-ce que ça peut apporter quelque chose à l'Afrique centrale en général et au Congo Brazzaville en particulier? Tout à fait. J'aimerais partager une carte, si vous me permettez. C'est Sir Makosso qui gère la régie. Je ne sais pas si tu peux le faire en direct. C'est ça la question. Après, sinon, tu lui as envoyé la carte ou pas? Envoie-lui la carte. Non, si je peux partager mon écran, je peux partager la carte.
Essaye sur share. Je vais pas essayer. Je sais pas si ça peut marcher ou pas. Clique sur le bouton share là, côté en bas. Je sais pas si tu as besoin d'autorisation. Essaye toujours. Je sais pas si on voit. Essayez. Est-ce que c'est bon? Pas encore. Ça, des fois, ça prend un peu de temps. Je ne sais pas si c'est possible. Non, mais sinon, bon, si on peut passer. Tu as essayé sur... J'ai essayé directement via... Vas-y. Là, je suis en train normalement de partager, mais bon, si vous ne voyez pas mon écran, c'est que ça ne partage pas. Après. Alors, moi, j'arrive à essayer. Moi, j'arrive à. Non. Non, bah, apparemment, ça ne marche pas. C'est pas grave. Vas-y. Bon, c'est pas grave. OK. Mmh. Oui, donc. Alors, donc, la question, c'était. Comment valoriser en fait l'héritage de l'Afrique centrale qui est répandu partout en Amérique, au niveau du Congo-Brazzaville, enfin, du moins dans la sous-région, au niveau du Congo-Brazzaville. Moi, je pense qu'il faut déjà voir ce que les autres font. Donc, moi, je travaille depuis déjà, des années. Déjà, tu peux nous dire, même si tu ne montres pas la carte, même si tu nous, on ne peut pas voir la carte, est-ce que tu essaies de la décrire un peu? Voilà, en fait, c'était une carte, parce que moi, je travaille beaucoup au niveau des États-Unis, j'essaie vraiment de cibler les choses aux États-Unis. La majorité des Afro-Américains viennent du Congo et d'Angola. Voilà. On sait que le premier navire qui est arrivé aux États-Unis, 1619, venait d'Angola, de San Juan Bautista, de Luanda exactement. Et on a vu que le Ghana a pris le monopole justement des 400 ans du premier navire, donc en 2019, alors que le premier navire venait d'Angola. Donc c'est bien, c'est des frères africains, c'est bien pour l'Afrique, c'est bien pour les afro-descendants surtout. Mais moi je pense qu'au vu du nombre de déportés, le Congo et l'Angola, toute cette région d'Afrique centrale, doit prendre ses responsabilités. D'un point de vue mémoriel, pour elle-même aussi, économique, pour son histoire, elle doit prendre ses responsabilités parce que c'est tout simplement, pour moi, c'est tout simplement une vérité qui doit être enseignée dans les écoles chez nous et qui doit être développée au maximum. Parce qu'on pourra pas régler ce problème de l'histoire de la traite négrière qui fait beaucoup d'émules justement en ce moment où on a un regain d'intérêt, surtout au niveau des jeunes générations sur l'histoire de l'Afrique, tant qu'on n'aura pas réglé le problème de, on va dire entre guillemets, la falsification historique ou l'ignorance de l'importance de la traite négrière et de l'apport de l'héritage bantou, on va dire, en Amérique. Donc, je pense qu'à partir du moment où on est malheureusement les premiers, il faut prendre sa responsabilité quand on a conscience de l'importance de la mémoire et de la culture dans un pays. Ça, c'est, pour moi, c'est très clair. On va pas revenir sur l'histoire. On sait que les intellectuels sénégalais avec Joseph Ndiaye et bien d'autres ont fait un travail remarquable sur Gorée. Et malheureusement, la vérité a été longtemps ignorée. On a vu le Bénin qui a fait un bon travail avec Haïti au niveau de l'initiative de la route de l'esclave. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, travaillant avec les Américains, les Afro-Américains, il y a énormément de demandes sur ce sujet-là parce que les gens font leur test ADN, les gens regardent les livres d'histoire, regardent les cartes qui étaient pendant un certain nombre de temps réservées à ceux qui faisaient des masters en histoire, des licences en histoire. Et ils disent « Ah, mais le Congo majoritaire en Caroline du Sud, le Congo majoritaire en Géorgie, Congo Square, Angola, la prison Angola, les premiers Africains arrivés. » Et ils se disent bon, « Le Congo, nous, on voit le Nigeria, on voit le Ghana, on connaît Kunta Kinte, mais où est le Congo ?» Donc, il faut qu'on prenne notre responsabilité sur ce domaine, ça c'est clair. Donc, il y a deux choses que tu viens de dire, Michael. La première chose, c'est qu'effectivement, il est peut-être temps, je disais tout à l'heure avec Sonia, que les intellectuels, parce que, à croire que les intellectuels, c'est peut-être un gros mot, mais en tout cas que la société civile prenne leurs responsabilités, parce qu'effectivement, si des pays comme le Ghana, des pays comme le Bénin, des pays comme
le Sénégal ont réussi justement à valoriser leur patrimoine, c'est parce qu'il y a eu des gens, majoritairement de la société civile, qui se sont mobilisés effectivement pour faire connaître ce patrimoine et le valoriser. Hein, c'est, moi, je prends toujours l'exemple de Paris. Les Français ont tellement fait du bruit sur le fait que Paris était la plus belle ville du monde que beaucoup de gens le croient aujourd'hui, parce qu'ils ont fait du bruit dessus. Donc, il est temps, effectivement, que les gens de l'Afrique centrale, pas forcément les politiques, peut-être parce que les politiques, ils vont peut-être suivre après, on disait tout à l'heure avec Eric, mais il faut que nous, aujourd'hui, c'est peut-être notre responsabilité, c'est peut-être notre mission aujourd'hui, que l'on puisse travailler, faire ce qu'il faut pour que les gens connaissent la place que l'Afrique centrale a pris dans cette histoire. Il ne s'agit pas de rentrer dans une concurrence avec les autres, mais il s'agit juste de dire, bah, nous aussi, dans le game, on a une place, et une place qui n'est pas négligeable. Ça, c'est la première chose que je note. La deuxième chose que je note, c'est que toi, parce que je sais que tu es très connecté justement avec pas mal d'Afro-Américains, tu nous as raconté effectivement ton séjour, le séjour que tu as eu en 2019 avec Ada Brown, qui travaille sur une agence qui s'appelle Route of Glory, qui organise des voyages mémoriels à destination des Afro-Américains qui veulent venir en Afrique. Je sais que tu travailles beaucoup. Tu es en train de tisser une toile qui, tout le jour, ne fait que grandir dans les milieux afro-américains, afro-descendants. Et ce que tu nous dis, c'est que la demande, Eric nous le disait déjà tout à l'heure, et tu le confirmes, la demande de la destination Congo, de la destination Afrique centrale, auprès des afro-descendants, est de plus en plus importante. Est-ce que j'ai bien compris? Tout à fait. À cause principalement des tests ADN. Parce que c'est venu, un point extrêmement important qui est venu changer la donne. Vous avez, on va prendre par exemple l'exemple du Cameroun, qui au niveau de l'histoire de la traite négrière n'est pas une destination qui a, voilà, déporté beaucoup de captifs africains. Mais on va dire grâce aux tests ADN, il y a énormément d'Afro-Américains qui se sont retrouvés au niveau du Cameroun. Donc ils ont pu commencer à faire des voyages justement parce qu'au niveau du Cameroun, c'est un peu pareil, on va dire, que le Congo et l'Angola. Hein. C'est pas forcément des gouvernements qui sont très intéressés sur la chose. Mais la mentalité des Camerounais est différente de celle des Congolais et des Angolais. Ils sont très panafricains. Tandis que les Congolais, ils sont congolais. Ils sont très nationalistes congolais, mais ils n'ont pas une perspective très développée au niveau de tout ce qui est panafricanisme. Donc, au jour d'aujourd'hui, ils sont en train de faire des musées par rapport à ça. Ils sont en train de faire des routes, des chefferies, énormément de choses qui sont très intéressantes, avec très peu ou pratiquement quasi pas d'héritage palpable, de patrimoine immatériel palpable en Amérique, en dehors des tests ADN. Donc, si eux, ils y arrivent, on peut très bien le faire. Ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà. Et la demande, oui, elle est afro-américaine, puisque c'est la principale population qui voyage en Afrique de l'Ouest pour le tourisme de mémoire. C'est clairement les Afro-Américains. Ben justement, de manière concrète, comment est-ce qu'on pourrait, tout à l'heure on a parlé du patrimoine avec les scientifiques, qui est incontestable, donc on a un peu parlé avec Eric, mais concrètement, quelles sont les initiatives que l'on pourrait prendre dans nos pays, dans la sous-région, même si le Cameroun c'est l'Afrique centrale aussi, pour développer le tourisme noir? On a parlé des tests ADN. Mais quelles sont les manifestations, quelles sont les initiatives concrètes qu'on pourrait prendre qui permettraient non seulement de faire connaître la destination, le patrimoine d'Afrique centrale, mais également attirer les Afro-Américains? Alors déjà, la première des choses, c'est faire ce qu'on fait. Continuer à faire de la vulgarisation scientifique. Dans l'optique que j'avais avec Ometac, qui est en fait en train de suivre son cours, c'est-à-dire briser les frontières coloniales, c'est-à-dire on parle clairement de tourisme mémoriel pan-congolais, avec un cas, si vous voulez, pan-africain ou pan-congolais, c'est-à-dire on enlève les frontières, étant donné qu'avant la colonisation, au niveau des cartes de la traite négrière, on a des ports qui sont, voilà, il y avait deux gros ports au niveau du Cabinda qui appartient territorialement à l'Angola, Cabinda et Malembo, il y a Luango, il y a Mayumba qui est au niveau du Gabon, vous avez Mpinda, Soyo en Angola, vous avez Boma, comme a dit Igor, Pointe d'Alenia sur les îlots sur le fleuve Congo.
Mwanda. Donc tout ça, maintenant, ce sont des pays qui sont divisés. Mais à l'époque, les négriers, les Européens appelaient ça la côte d'Angolais, c'est-à-dire de Cap Lopez au Gabon jusqu'à Benguela en Angola. Donc il faut une étroite collaboration entre la société civile, la société privée, les politiques de toutes ces régions-là, faire un travail historique, économique. Et surtout, moi j'aime beaucoup ce plan-là, c'est la reconstitution du patrimoine historique de la région. Parce qu'il y a plus, le patrimoine, en fait, le patrimoine Congo-Bantou est plus important, on va dire, en Amérique qu'au Congo. Ils ont gardé des choses que nous, on n'a plus. D'où l'importance de la reconstitution historique. Je peux donner deux exemples très courts. On a eu dans le nord d'Haïti, où on parle de 60% de Congolais déportés au 19e, au 18e siècle. Vous avez des communautés Congo qui ont gardé des techniques d'embaumement. On dit, nous, on est Congo, c'est comme ça qu'on enterre les morts chez nous. Avec des huiles, avec des herbes. J'en avais parlé à Sonia Domingos, parce que j'ai appris que les rois du Congo avaient été fumés, notre technique de momification, aussi bien que les rois de Luango aussi, c'est comme ça, et les Tékés aussi, c'est comme ça. Et donc, il y a des recherches avec des anthropologues, des ethnologues, qu'il faut faire pour faire des reconstitutions historiques. Vous avez des danses qu'on a, entre guillemets, perdues, comme les danses, toutes les traditions militaires Congo, qui aujourd'hui génèrent des millions ou millions d'euros, comme la capoeira. Le Dami en Martinique, le Kalinda au Trinidad de Tobago, le Muti Musundi en Haïti, des techniques de combat avec des bâtons, le Mayolé en Guadeloupe. Il y a énormément de travail à faire dans la reconstitution de ces choses. Et ce n'est pas abusé ou culotté de le dire. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de rumba congolaise, c'est une reconstitution ou une réappropriation d'un patrimoine congolais en chassé-croisé. Parce qu'elle est partie de la région du Royaume Congo pour Cuba. De Cuba, elle est revenue au niveau de la colonisation. Donc, on peut très bien faire revenir ces choses, comme par exemple, je parle de la capoeira, revenir, la réadapter, par exemple, avec le zango ou autre chose, pour redévelopper ces choses qui ont disparu par la traite négrière. Voilà. Donc, il y a un travail de reconstitution aussi au niveau de, avec les linguistes. Ça a été énormément fait. Au niveau de la cuisine, des arts culinaires. Il y a un travail énorme à faire, en parallèle avec les anthropologues, les ethnologues, les historiens, voilà. les danseurs, tous les acteurs. Donc un travail qui va même au-delà même du tourisme que des voyages, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les afro-descendants n'ont peut-être pas le moyen de voyager, mais il y a des liens et des échanges qui peuvent être créés, notamment avec les outils numériques, pour essayer effectivement d'utiliser le patrimoine qu'on a en commun et essayer de créer des synergies, créer de la valeur. Qu'est-ce que tu en penses ? Tout à fait. Oui, c'est tout à fait ça. Je pense que moi, de toute façon, à mon avis, c'est que aussi bien que dans le processus de décolonisation d'Afrique, les afro-descendants sont, on va dire, à la source. Pratiquement. C'est-à-dire que toute l'idéologie panafricaine est partie outre-Atlantique, avec les mouvements garveyistes et autres. Donc je pense qu'au niveau du développement de l'Afrique du futur, y compris le tourisme, les afro-descendants, ils ont amplement leur place. C'est juste que nous, dans la sous-région, on n'a pas trop cette mentalité-là. C'est-à-dire que le Congolais ou le Bantou, en tout cas, il se suffit à lui-même. C'est-à-dire qu'on a une culture incroyablement riche, même au jour d'aujourd'hui. On arrive à recréer des synergies comme la sapologie, c'est dans le sang, la musique, il y a énormément de choses, mais c'est pas suffisant. Il faut aller plus loin et profiter de exploiter notre richesse culturelle, matérielle vraiment vraiment au maximum. Voilà. Alors, il y a un truc que j'ai entendu hier aux informations qui m'a beaucoup interpellé. C'est-à-dire hier, c'était le 18 mars. Et le gouvernement italien avait décidé de faire le 18 mars la journée de commémoration aux victimes de la COVID-19. Parce que le 18 mars, effectivement, 2020, il y a eu une image, je pense que c'était le jour où il y avait plusieurs camions militaires qui se déplaçaient, qui étaient remplis de cercueils. Donc cette image-là avait tellement choqué l'Italie
C'était le jour où il y avait le plus de morts, je pense, en Italie, à cause de la COVID-19. Et la COVID-19 en Italie a fait 60 000 morts. Est-ce que on ne peut pas imaginer que dans une région où il y a eu plusieurs millions, plusieurs dizaines de millions, selon les sources, de personnes qui sont parties en esclavage, qui ont été déportées d'Afrique, est-ce qu'il est normal aujourd'hui qu'aucun des pays d'Afrique centrale, des États qui sont nés après les indépendances, on a dit tout à l'heure, qu'il n'y en ait aucun qui, effectivement, n'est pas, comment dirais-je, qu'il n'y ait aucune date de commémoration liée à la, pour se rappeler en fait de toutes les personnes qui sont mortes depuis le, enfin qui sont parties depuis la seconde, enfin qui sont parties pendant la traite négrière. Non, c'est pas normal, mais je pense que j'ai abordé le sujet en fait en parlant tout à l'heure. Pour moi, il n'en tient qu'à moi. Il n'y a pas de conscience panafricaine en dehors du Cameroun, il n'y en a pas. Dans les deux Congo et l'Angola, il n'y en a pas ou très peu. Voilà. Moi, la dernière grande figure panafricaine, c'était Patrice Lumumba, qui est parti chercher des professeurs de mathématiques en Haïti. Voilà. Pour le Congo-Kinshasa, au moment de la décolonisation. C'était le seul. Au jour d'aujourd'hui, moi, il y en a. Je dis, mais au niveau des politiques, s'il y en a, ils sont très discrets. Il faut une éducation, il faut une conscience pour pouvoir faire ça. Il n'y en a pas. C'est paradoxal parce que c'est nous qui avons déporté le plus grand nombre de captifs durant la traite négrière. Mais la réalité est là. S'il y en avait, les choses seraient différentes. Alors, je ne suis pas un Congo pessimiste ou un Afro-pessimiste. C'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça qu'on travaille d'arrache-pied par rapport à ça. Mais on est obligé de partir d'un constat vrai pour pouvoir faire évoluer les choses, ne serait-ce qu'à notre niveau. Voilà. Très bien. Bon, je pense qu'on va rendre l'antenne parce que le sujet a été super intéressant. Pour conclure, deux mots, c'est qu'effectivement, de cet échange, l'ensemble des entretiens que nous avons eus, c'est que, un, il y a le besoin. Il y a de plus en plus d'Afro-Américains, d'Afro-Antillais, d'Afro-Caribéens qui veulent venir en Afrique. Beaucoup savent qu'ils ont des origines Congo. Donc, il ne reste plus que de notre côté une organisation, parce que le patrimoine, il est là. Dans tous les pays d'Afrique centrale, comme tu as su le dire, les frontières que nous avons actuellement n'existent que depuis les années 60. Donc, pendant la traite négrière, ça n'existait pas. Donc, il faut effectivement que les sociétés civiles de ces pays-là, c'est pour ça que notre débat d'aujourd'hui, nous ne l'avons pas intitulé « Le touriste mémoire au Congo-Brazzaville » ou au Congo-Kinshasa ou en Angola. Non, c'est toute l'Afrique centrale. Il faut effectivement qu'on ait une organisation commune parce que de toutes les façons, ce qui intéresse les gens, c'est ce patrimoine commun autour du Royaume Congo que les ancêtres des Afro-Américains ont emmené dans les pays où ils ont été déportés, sur les continents où ils ont été déportés. Donc, je remercie tous ceux qui ont participé à ce débat. C'est le premier d'une série. Que effectivement, le premier travail que nous on a à faire en tant qu'intellectuels, c'est d'essayer effectivement de sensibiliser les pouvoirs publics, de sensibiliser les sociétés congolaises pour justement prendre conscience du travail qu'on a à faire et que ce travail-là peut permettre justement de créer de la valeur, de créer des emplois et de créer de la richesse. Donc, je ne sais pas si Sir Makosso peut revenir pendant 2 ou 3 minutes pour un mot de conclusion. Voilà, Sir. Oui. Donc, on va peut-être je sais qu'il y a Sonia qui est encore là. On va juste éventuellement la ramener. Sonia. Sonia, tu nous entends? Oui, oui, je suis là. Voilà, donc je veux juste mettre la bonne image, comme ça, on peut ensemble échanger pour terminer. Voilà, Guillaume, pour ceux qui sont encore là maintenant, je vois qu'il y a tous les autres et Sonia, bien sûr. J'aimerais, au nom de Ziana TV, vous dire un grand merci pour ce moment. C'est vrai,
il y a certains qui se sont un peu dit, mais écoute, nous sommes en période électorale au Congo, vous parlez du tourisme, des choses comme ça. Moi, je dis, mais c'est aussi la capacité que nous avons, nous, d'aller au-delà de l'instant qu'on peut vivre maintenant. Ce dont on a parlé aujourd'hui, c'est notre passé, c'est notre histoire et c'est aussi notre avenir. Donc, l'instant de l'élection ne suffit pas. Il faut aller au-delà et c'est tout le travail que nous avons fait depuis 18h30 que nous sommes là. Il est quasiment bien 21h30, nous avons abordé cette question. C'est tout l'intérêt que nous aussi, à Ziana TV, on porte sur cette question. Guillaume l'a dit tout à l'heure, c'est vrai que ça fait des années que nous l'accompagnons dans ce travail-là et tout l'intérêt aujourd'hui, c'est de rendre compte, de vous découvrir, vous aussi, que ce soit le docteur Eric qui était là tout à l'heure, que ce soit aussi, comment tu l'appelles, Igor, que ce soit Sonia aujourd'hui. Bon, avec Michael, on se voit déjà. C'est un plaisir pour nous de bien comprendre aujourd'hui que ce que nous vivons aujourd'hui est sans doute quelque chose auquel on doit être attaché. Mais finalement, si nous arrivons à repartir vers ce passé qui nous a échappé à un moment donné, ça nous permettra sans doute de maîtriser notre avenir. Donc voilà encore Guillaume, ce que je veux dire à la fin de cette première conférence. C'est une série. Ce qui est quand même bizarre, Guillaume, c'est que c'est souvent à chaque confinement qu'on a comme ça. Au dernier confinement, c'était pareil. On a passé quasiment 3 semaines à parcourir ces diasporas Congo à travers le monde pour venir nous dire leur attachement à cette terre Congo. Et là aussi, donc, on rentre dans un autre confinement et on repart toujours sur cette terre. Et je pense quelque part, ces mâles qui nous écoutent, sans doute, il y a sans doute un message pour que ces moments où tout s'arrête et que nous, on arrive à se projeter au-delà de ce confinement pour continuer à penser notre avenir et l'avenir du continent. Voilà ce que je peux dire ce soir, Guillaume. Ben, c'est à toi de merci beaucoup. Ben, merci beaucoup à Ziana TV pour le partenariat, pour l'accompagnement. Donc, on espère simplement que les messages que nous passons ici sont entendus auprès de nos autorités, parce que je continue à dire que on ne pourra pas développer le tourisme de mémoire, en particulier le tourisme en général, s'ils ne sont pas avec nous. Nous avons des idées, nous avons des propositions, nous organisons justement ces débats-là pour les passer. Et j'espère qu'ils ont compris que derrière le tourisme de mémoire, il y a un potentiel, mais incroyable, un potentiel incroyable. Donc il n'y a pas de raison que l'Afrique centrale n'arrive pas à attirer des touristes de mémoire avec le patrimoine, avec l'histoire qu'il a. Il n'y a pas de raison qu'il n'y arrive pas alors que d'autres y arrivent. Donc, c'est le seul message que je voulais passer pour conclure et je remercie encore Ziana TV, je remercie nos différents intervenants, que ce soit Michael, que ce soit Sonia, qui ils sont loin, c'est vrai, mais avec la magie de la technologie, on a pu se connecter, Igor, Eric, et c'est juste un début, c'est juste le début du combat et qu'on est ensemble, qu'il faut qu'on se serre le coude et qu'on mène ce combat. C'est peut-être notre responsabilité à nous. C'est peut-être la responsabilité de notre génération. Donc, il faut qu'on assume, comme a dit Michael tout à l'heure, il faut qu'on assume nos responsabilités et qu'on fasse ce travail-là. Parce que si ce travail-là n'est pas fait par nous, personne ne le fera. Voilà. Encore, merci et à très bientôt.